ça. Absolument pas. Pour nous, après les autres, comme ils sont plus loin, je sais pas. Ouais, je suis retourné. Bah, j'ai une plaque en métal dans le dos. Maintenir le dos. Je sais pas. Juste dit qu'il fallait que j'y retourne ce soir. Ok, je vois. Mais je suis pas chaud. T'es pas chaud pour. Y retourner. Ben, il va falloir. Il va bien falloir. Bon, on est à combien dans les comptes? 30 000, putain! On a plus de 30 000 à blanchir, plus là ce qu'on vient de faire, si c'est sécure, on aura plus de 50. Alors attends, qu'est-ce que vous venez de faire? De la vente. D'accord. Et en gros, dans une des oracles qui a probablement été embarquée par la fourrière de ce que je vois, on a plus de 30 000. D'accord. Et là, on a vendu, il y avait un peu plus de 20 000, mais je sais pas où ça en est parce que les flics étaient au taquet. Tu sais pas où ça en est de où? Je comprends pas. Liam a tout pris, il s'est fait prendre en chasse, mais là je sais pas où est-ce qu'il en est par rapport au call, qui comme d'hab sont très flous. D'accord. Liam, t'es en radio? On vient de me dire que t'étais en course-poursuite avec les flics, ça va? Ouais, c'est bon, je les ai semés, j'étais à moto, donc pas de soucis, là j'arrive qu'à. Ok, super. Il y a qui actuellement de réveiller? Liam, le chef, et Edgar. Ah, si le chef est réveillé, il va pouvoir nous ressortir l'oracle de la fourrière. Toi, j'en veux une! C'est trop bien! Ça trace sa mère! C'est pas une Hitblade? Bonsoir, gamin! Salut, non, Edgar! non. Non! Bonsoir, James! Non, c'est pas une Hitblade. Ton argent à l'argent sale, mettez dans le bison. Concentre les sous. Ah, il y avait plus de 30 000 qui étaient dans le bison que j'ai mis dans l'oracle. Ouais, j'ai vu ça. 27 862. Ah, de quoi s'acheter une moto? T'as récupéré ce qu'il y avait dans les oracles ou pas, James? Je vais voir. Il y avait plus de 30 000 dans une. Mais c'est quoi ça comme moto? Je viens sur mon portable. Aucune idée de ce que c'est comme moto. Vraiment peu, hein. On a seulement 64 000 d'argent sale, là, c'est pas beaucoup. Il faut aussi voir pour renoncer la coquer ces enfoirés, j'ai pas de soucis. J'ai pris tout le contenu du bison sur moi. Si ça, t'as pris combien? On a 1500, j'ai pas pu la payer de toute façon. 1500? Oui, pour apport d'armes blanches légères. Et c'est du coup, c'est 1500 plus 10 minutes de garde à vue. Attends, c'est 1500 pour port d'armes blanches légères? Qu'est-ce que c'est que. Ah mais vraiment? What? Et 10 minutes de garde à vue pour port d'armes blanches? Pour un temps d'arrêt. Ouais. 1500 d'amende que surtout. Port d'armes illégales. Mais un grand arrêt. Une arme pas... blanche? C'est pas illégal une arme blanche. C'est de la contrebande, oui, mais c'est pas illégal. Moi pour la machette, ils vont me dire non, vous avez pas le droit de couper du bois. Non, ils vont te dire ça va, c'est légal. C'est illégal, c'est. Voilà, faut que je fasse doucement. Je vais pas me couper le nez. À Ronny, ils l'ont pas coupé. Ah oui, chef, attention, j'ai un club de golf, je suis un dangereux criminel. Ah mon dieu. Attention, arme blanche illégale. Du coup, c'est pas une arme blanche, ça, du coup, parce qu'une arme blanche, c'est un couteau, c'est autre chose. Ça, c'est une arme contendante, à la limite. Mais donc, ça, ils me le rendent? Un couteau de chasse qui fait la taille de ma tête, ils me le rendent? Encore heureux, parce que sinon, je les tue. Un petit couteau là pour couper le saucisson, pas contre ça, non. Ok, et par contre... c'est bon pour l'amende. Genre. Oui, vas-y. Ok, maintenant, je comprends pas leur logique. Non, moi non plus.
Non, par contre, leur logique de fouiller des voitures comme ça, par contre, elle va très vite disparaître. Et non, c'est moi qui vais les faire disparaître. Après, je sais pas. De toute façon, elle était fermée, chef, la voiture. Non, ils sont ferme jamais, je te demande pour voir. Parce qu'il manquait rien, du coup. Et même si c'est pas fermé, en fait, en tous les cas, tu tentes pas d'ouvrir une voiture alors qu'elle est pas à toi. Flic ou pas flic, en fait, sans mandat ou autre. Après, on a peut-être pas leur motivation, parce qu'il y a rien qui manque dans le coffre. S'ils avaient fouillé, ils auraient pris. Je me demande si c'est pas juste parce qu'on était garé là où il fallait pas et qu'ils partaient pour le bénis. Ah, ça pourrait être une Shitsu Vader. Quelqu'un d'autre s'est pris une amende? Ah, une Vader. Que je pensais. Non. Mais ouais, j'ai pas eu de chance en fait. Quand j'ai vendu, la moto était en train d'arriver, mais c'était déjà. J'étais déjà en train de lui mettre dans la poche, quoi. Ouais. Perso, ils sont passés 2-3 fois à côté de moi, ils m'ont pas capté une seule seconde. Ah, je reviens, je vais éviter. Okay. Jens, on a des. Il y a eu deux retraits. Enfin, celui de 10 000, j'imagine que c'était pour la bouffe, parce que maintenant, il y a, tout à l'heure, apparemment, il n'y avait pas de bouffe, non, mais rien comme bouffe, et tout d'un coup, on en a beaucoup. Donc j'imagine que c'était ça, les 10 000. Oui, c'était la bouffe, mais t'en avais pas déjà fait, toi? De quoi? Pas de la bouffe? Si, un petit peu, mais peu, en fait. Parce que j'avais pas beaucoup sur moi. D'accord, ok. Donc c'est pour ça. J'avais pas beaucoup d'argent. J'ai acheté moins 300 et quelques de pizza. Donc... Ouais, voilà, c'est ça. J'imagine donc que voilà, les 10 000 c'est pour ça, les 25 000 c'est pour. Les 25 000 c'était hier, parce que j'ai pris 25 000 pour blanchiment. C'est l'air d'être une Shitsu Vader, ouais. Sur d'argent. Oh. J'ai pris 25 000 pour blanchiment par rapport à un mec qui voulait blanchir. Enfin, les gars, là, les Ray ou je sais pas quoi, là, à l'Erendro. Et t'as fait ça hier? Oui, mais c'est juste que j'ai oublié. Parce qu'on avait une marge, en fait, on était à 55 000 sur le doc et on était à 30 000. Donc, je me suis dit, bah, en fait, c'est juste que j'ai pas fait. D'accord, ok, d'accord, très bien. Ray, ils ont Ray déjà. Mais du coup, c'est. Oui. Ouais. Ah oui, bah, c'est pour nous. Enfin, ouais. T'as bien fait de le mettre en. Okay. En retrait pour achat. C'est juste que je vais préciser. Parce qu'il n'y a pas de catégorie. Sur... Exactement. Je vais préciser sur le document que c'est pour achat ou blanchiment. Mais t'as bien fait. C'est bien ça. Par contre, j'avais juste une question. J'aimerais qu'il y avait beaucoup d'argent créé en marge sur du blanchiment. Que souvent dans l'argent que tu déposes en caisse, c'est de la marge créée sur du blanchiment. Est-ce que c'est tout le temps vraiment du blanchiment ou est-ce que c'est genre de l'argent qu'on a blanchi nous pour nous? Attends, tu peux répéter? En gros, j'aimerais qu'il y avait beaucoup d'argent déposé en tant que marge créée sur du blanchiment. Est-ce que c'est parce qu'on blanchit beaucoup pour Vira et je sais pas qui d'autre, ou est-ce que c'est parce que tu catégorises en marge créée sur du blanchiment chaque fois qu'on blanchit de l'argent? C'est ça que je suis en train de faire, ouais. D'accord. Parce qu'en gros, marge créée sur du blanchiment, c'est quand on blanchit pour les autres. Stupéfiant, ouais. Et voilà, oui. C'est quand on blanchit pour les autres, genre Vira. Quand c'est de l'argent de vente, ou parce qu'on a vendu des stupes, ou parce qu'on a braqué quelque chose, c'est en fait, braquage, c'est ça, le problème, c'est que généralement, quand on vient nous voir pour ce genre de choses, c'est qu'on vend la mettre avant, et ensuite, ouais. Eux viennent nous voir, et du coup, tout se met en même temps. Quoi. Et dans ce cas-là. Tout, du coup, c'est un peu relou, donc je centralise tout dans ça, en fait. C'est pas grave de centraliser. Juste, tu mets le plus gros montant, quoi. C'est si c'était surtout de la marge, si c'était surtout de la marge ou surtout de la vente. Mais ouais, du coup, je pense que la plupart du temps, c'est une vente à nous. Donc, ouais, non, mais pas de soucis. Juste, je l'ai vu. Ouais, je l'ai vu beaucoup, je me suis dit, attends, est-ce qu'il n'y a pas confusion? Mais, est-ce que si je l'emmène au Bénis, ils peuvent me donner la marque? Non? J'en sais rien, je peux pas. Par la suspension à l'avant. Non, ça a pas l'air d'être une Vader, je pense. Même, elle est beaucoup trop large pour être une Shitsu Vader, je pense.
Puis la chute Souvador, elle a une plaque, elle en a pas. Je pense que c'est pour Du coup, attendez, faut que je dépose de mon arme parce que. Est-ce que ce serait pas une électro, mais pas tout à fait. Custo. Dans la gueule. Genre. Une électro, non, mais juste crois... les pots d'échappement et pas au même endroit. Genre, au lieu qu'ils soient là, ils ont custo là. Nakuma. C'est possible, non? Une Ginga Akuma, je crois bien. Une quoi? Une Akuma. On est combien là actuellement? On est 6 ou moins? Tu l'écris comment? On est 6. AKUM. Bon, on pourra prendre le bison du coup et aller voir. Ginga Akuma, ah oui, ça a l'air d'être ça. Ah ouais. Ah oui, c'est ça. C'est totalement ça. Qu'est-ce que j'ai? Non, j'ai pas. Eh ben, c'est une accélération de forêt, ce truc-là, j'adore! La go blanchir. Bah, hein. Yes! Donc, on cesse? Je crois. Il y en avoir, du coup. Nakuma. Nakuma? Je sais plus ce que j'ai vu, hein. Peut-être. Pourquoi j'ai entendu Liam parler de process? Si tu te blesses avec une moto, c'est privé pendant parce une semaine. Y a des motos. Ok, Elisa. Une moto, et alors? Oui. Si un jour, hein, comme ça, vous avez 100 000 en trop, hésitez oula. Pas. 100 000 en trop. Ouais, 100 000. Un cadeau de Noël, un cadeau d'anniversaire. C'est entièrement possible, Titia. C'est quand ton anniversaire? C'est le 17 décembre. C'est entièrement possible, Titia. C'est juste que d'abord... De quelle année? D'abord, si tu regardes cette le bilan... année ou l'autre? Si tu regardes le bilan, il faut déjà qu'on économise... Mais James, soyons... 615 000 balles. Et après, on pourra économiser pour ton... Pour ta moto à 100 000. 615 000, c'est pour le Dubstar? C'est pour les 3 Dubstar. Les 2 Dubstar, pardon. Les 2 Quand même un mec qui a réussi à me pousser, à me faire tomber, genre au feu rouge. Mais non, mais. On va prendre une semaine, on a dit. Liam, la moto c'est fini. Mais bordel de merde, je suis parti mal, vous êtes con ou quoi? Vous écoutez ce que je dis? Ouais, je suis récurrent. Oui, j'ai entendu que t'étais encore tombé de moto. À genre 5 km/h. Mais sinon, c'est un accident. Hein. Mais ça change rien, c'est quand même dangereux la moto. Personne. On est marre du bison, je vais à Dubstar. Il me disait que tu l'avais. Je me disais que tu l'avais pas encore vu. Carlos. Franchement, si Liam il en a marre d'être émo, il suffit d'arrêter d'avoir autant d'accidents de moto. Comment il va ce bon vieux Carlos? Allez hop, 58 000. Ça non mais plaisir. Franchement, si vous voulez me tuer, me tuerez mal à la tête. Arrête, il va après écouter du Tokyo Hotel. Oh non mais. La naissance. Excusez-moi, il a 21 ans ou il en a 16? Je sais pas. Ça parle mal de son gosse. Quoi, tu crois que je peux pas lui dire en face? Enfin, j'espère pas, c'est ton problème. Hein. Oui, pas de soucis. Ben, en route. Ah. Oui, c'est bon. Conduis. Vas-y.
Liam, il est en train de méditer, Dominique. Ah. Il venait de monter sur sa moto quand même. Fallait peut-être me dire ça avant qu'on parte. Oui, oui, non, mais je ne... J'ai rien entendu, il a dit quoi? Qu'il s'en sortait 5 minutes en course poursuite contre les Finniques, mais le premier pecno au feu rouge, il le renversait. Ça passe. C'est tranquille. On a faim, toi, Elisa, t'inquiète pas. Au calme. Au calmus. En même temps, il y a le cul qui part dans tous les sens. Voilà. Je plaide, le cul part dans tous les sens. C'est le bison avec la pluie. Voilà. On va où? Attendez, je suis pas au bon endroit là. Oui, pas du tout. C'est ce que j'étais en train de me dire, où est-ce qu'elle va? Ça va? Ah oui, c'est aucun monde. Je me suis trompé de route. J'allais vers Forum. Pas ouais, ouais. Nostalgique. Mais pas de quoi tu parles. Je que ça va tes côtes. Ça va ton dos. Et dire que j'avais si bien conduit jusqu'à ce qu'on se prenne quelqu'un de face. Au moins t'étais pas devant. Au moins t'étais pas en passager cette fois. Ouais, pas comme ce matin. Ouais, parce que se prendre le tableau de bord dans le ventre, ça doit pas être très agréable, surtout quand t'as des côtes pétées. Ouais. Je crois que j'ai regagné au moins demi malabar là. Je fais le doc. Je peux aller voir s'il y en a une au conseil. Ouais, on passe au magasin de vêtements avant. Alors, c'est de l'argent qui a été créé en vendant des stupes, c'est ça? Ah, tu le fais? Ouais, ouais. Tac. Je reviens, je vais me changer. Et 60 000! Let's go! Qui est-ce qui va se changer? Mais tout le monde, moi aussi, j'ai besoin de me changer. Attends, viens, décale-toi. Quoi? Ah, vous parlez. Décale-toi. Et franchement, je pense qu'on a assez. Bah vas-y, monte. Le magasin de vêtements. Je suis trop trop étonné qui en fait qu'à sa tête et qui est en train de marcher. Heureux de vous avoir connu. On va tous au magasin de vêtements, Paul. Monte. Vas-y, grimpe. Hello, Moon. On vient de faire le tour, tu sais. Je sais pas. On va me décaler. T'inquiète pas. Tu sais quoi, James? Je pense qu'on a assez pour acheter une dernière Buffalo. Je crois qu'il y en a toujours qu'on sait ça. Oh, c'est déjà. Il y a des Buffalo tout court, mais pas des S. Déjà? Ah, bah s'il y en avait 3, on aurait pris 3. Hein. On n'aurait pas eu le moyen, mais. Bah si, on avait les moyens. Pas pour les 3. Non, pas pour les 3, mais. Mais maintenant, on a les moyens. Oui. C'est-à-dire en moins de 24 heures, on aurait fait disparaître les trois du concessionnaire. Ah bah à chaque fois. Hein. Par contre, il y a des oracles XS. Ok, d'accord. Et alors? Ah, elle roule bien les oracles, mine de rien. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais.
On est d'accord que ces voitures, les... que les buffalo, on va s'en servir pour le braquage et tout ça. Ouais. Donc on les met pas en blanc. Non. Mais je pense à les mettre en blanc et noir, noir et blanc. Ouais. En fait, on peut les mettre en blanc, c'est oui, pas un problème. Mais juste pas en... avec pas le néon. Néon vert. Voilà, c'est ça. Parce que c'est un peu trop visible. C'est un petit peu trop cramé. Oui, donc du coup, on va au concessionnaire, c'est ça? Le noir et blanc, ça peut être bien, ouais. Ouais, je suis aussi, je suis d'accord. On va au concessionnaire, c'est ça? Bah, go, ouais. Et retourne, du coup. Merde. Liam, Ticia, vous êtes où? Ah bah, on arrive. Parfait. Et dire tu. On est en train de regarder. Quoi? Tu crépites un peu, non? Oui. Ouais, c'est possible. On doit être en train de regarder pour s'acheter une Akuma si ça se trouve. Bah oui, c'est ça. Ouais, il peut toujours, on est là pour toujours regarder. Hein. Ouais. Ça coûte rien de regarder. C'est sûr. Ça coûte rien de rêver. Bim. Donc. Mérité. Voilà, pour deux places. C'est mérité! Oula! Ah non, je vois des choses bizarres. Mais là, j'ai testé la course-poursuite avec, franchement. Ouais, ouais, non, la Kuma pour 23 000. Oui. La Kuma elle est à 23 000 et la Sanchez Sport à 22 500. On pourra faire un petit up de 500 dollars. Quoi? C'était quoi déjà, James? Akuma, la Buffalo S? Première, c'était... elle est trop bien. C'était une quoi, la Buffalo S? Non. J'ai pas compris ce que tu veux en fait. Bah, vous m'aviez dit que peut-être un jour vous accepteriez d'acheter une moto. Oui. Oui, oui, mais on est pas. Et je vous avais dit une Sanchez Sport et elle était à 22 500, c'est méchant maman. Et la Kuma elle est juste 500 dollars plus chère. Ah, c'est pas méchant, c'est juste, je te dis, aujourd'hui n'est pas ce jour. Ah, bah j'avais compris, hein, de toute façon ça arrivera jamais, faudra que je me la paye moi-même. Ah, non, non, okay. Ça n'arrivera pas jamais, mais ça n'arrivera pas aujourd'hui. Non, après en vrai, si. C'est pas faute d'avoir prouvé que c'était utile, mais bon. Ouais, voilà, c'est ça, c'est que c'est pas mal en vrai. Mine ça fait pas 3 jours que je me démène à utiliser la moto pour vous sauver vos petites miches. Non, il y a un truc qui est pas mal. Un BMX. Chef, j'en avais déjà. Alors, si en vous vrai, voulez. Ok, chef. Filez-moi un BMX, on va voir si je suis aussi efficace en chauffant. Je vous garantis rien, hein. Je pense que les piétons verront les flics avant moi, mais c'est pas grave. Y'a pas un truc qui s'appelle une zombie? Bah, le truc, c'est que. Oui, j'adorerais avoir une zombie luxury. Mais c'est pas ce qui est utile actuellement pour le gant. Parce que c'est ah ouais, pas avec ça que je peux chauffer. La coûte chaud, putain. Mais oui, c'est parce que c'est de la merde, donc il la met très cher comme c'est son sûr que personne l'achète. C'est en vrai, même une Akuma, ça me va. Hein. Ah mais toi, tu sais conduire les voitures. Non, non, je sais mieux conduire les motos. Sais-tu conduire tout court? Mais... C'est pas moi qui me suis ramassé James... 50 fois, hein. James... Bah, et on voit j'ai la différence de risque. Rappelle-moi, comprend. La Buffalo S, c'était en quoi comme voiture, une voiture? Demande au chef hier si j'ai pas pris des risques d'accord. Avec ma moto. Donc effectivement, il y en a pas. Mais ça, j'étais pas là hier et personne m'a raconté pour hier. Toujours pas. James, c'est genre de quoi la 15e fois qu'on me dit « Oh, faut qu'on te raconte pour hier ». Ah bah personne hier personne m'a jamais rien raconté. Ah bah, tu veux que je te dise? Hier, on a fait le flic, hein. Oui, mais à chaque fois on me dit oh il y a eu ça, oh il y a eu ça et on me donne ben des détails par-ci par-là, ça casse les couilles. Ok, mais je te raconte. Des superettes. Je vais te raconter. J'étais en moto, je prenais ma moto et je leur coupais la route. J'ai mal au crâne. Artie, il fallait pas que je m'énerve. Je vais te raconter. En ça gros, j'ai mal au crâne. On est parti faire Africa en mettant en place un plan pour que Paul avec un camion coupe la route aux flics comme on avait prévu pour la prise d'otage. Ben on l'a fait hier avec l'Africa. Et Moon était en moto. Pour rôder autour, nous donner des infos, éventuellement nous aider pendant les courses poursuites. Le braquage ouais. S'est bien passé, on avait pris 3 otages, ça s'est bien passé, gna 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 gna, on a négocié juste du temps, on leur a filé un otage pour gagner du temps, et à la fin, bah, on avait fini plus vite que prévu, donc on leur a abandonné les otages en échange de 3 secondes pour démarrer la course poursuite, et en fait okay. Ils ont tous foncé sur une seule voiture sur les deux, c'était celle où il y avait moi hier ça, on avait fait une erreur, c'était de ma faute. J'avais complètement oublié de filer une partie du magot à quelqu'un d'autre, donc tout était sur moi. Et en l'occurrence, ils ont complètement lâché les autres, ils nous ont pris tous en chasse, moi et Irsa. On est parti dans le nord, on a réussi... Franchement, on a tenu longtemps. On a tenu longtemps, mais c'est la pluie qui nous a eu, en fait, finalement. On est parti sur une des grandes descentes dans les collines, là, en dessous du vignoble. Ouais.
Et en fait, sur une route, la voiture a dérapé, la voiture de flic a dérapé. Donc nous, on a dérapé, la voiture de flic a dérapé, la voiture des flics a dérapé, nous a pit sale. Accidentellement, j'imagine, parce que ça, ça avait l'air... Nous, on a parce qu'on était tous en dérapage, donc je vois pas comment est-ce qu'elle aurait fait ça volontairement. Et puis, bah, elle s'en est remis plus vite que nous. Elle nous a braqué. Moi, hier, ça, on s'est retrouvés comme quoi. Voilà. Ah, merde. Résultat des courses, on a perdu 15 000 balles, au total. En comptant la perte de l'usi, du flingue et les amendes. Ça pique. Mais bon, c'est le jeu, hein. Franchement, 15 000 balles en termes de perte, ça va. Et on a aussi braqué G6, on a eu 210 sacs, un fusil à pompe. Et on a fait des super dans l'après-midi où je chauffais en moto et que je gênais les courses poursuites avec ma moto. Genre, je passais à côté des flics et je leur coupais un peu la route de loin. T'as donné des coups de pied? Même pas. Oh, non, parce que dans la partie, ça détend. Non, parce que là, je les gênais juste, donc ils restaient pas près moi. Mais si je gênais des coups de pied, ça pouvait être compliqué quand même. Ok. N'empêche que globalement, même si on a perdu 15 000 sur la... C'est vrai, ça. Nick, Paul, t'es où? Dans la voiture. Ah d'accord, ok, ça va. 10 000. En gros, même si on a perdu 15 000 balles sur la Flika, on a quand même gagné un fusil à pompe, des sacs d'argent, et on a fait pas mal de fric pour... Je vais faire une sieste, je reviendrai peut-être après. Ne me tuez pas, j'avais pas remarqué qu'ils étaient rentrés, je regardais dans l'autre sens. Non, c'est bien. Je suis désolée. Ouais, là, on raconte un peu. Oui. Envie de crever. Ils veulent acheter une Akuba. Pourquoi on est au conseil déjà? Rien, c'est pas grave. Mais ouais, Elisa, qu'est-ce qu'il... Je regardais dans l'autre sens. J'avais pas vu qu'ils étaient rentrés. Hein, quoi? Mais écoute, je les avais pas rentrés. Je les avais pas vu rentrer. Non, je les ai pas vu rentrer, j'avais pas vu qu'on était tout seul. Vous étiez pas tout seul. On s'entend pas, on a pas entendu. C'est une blague ou juste vous foutez de ma gueule? Allo, on entend plus. Passe un tunnel. Non mais excusez-moi, j'ai... Quoi? Qu'est-ce que t'as dit Liam en radio? Non mais là c'est sérieux, j'entends bien James qui déconne, mais qu'est-ce qui se passe en radio? Ils vont acheter Nakuma, les gars qui sont rentrés. Bref, je suis vraiment désolé. En fait t'as tout sauté, et là je me suis... j'ai regardé de l'autre côté, et je les ai vus, j'étais là, Nick! Quelqu'un peut m'expliquer ce qui s'est passé avant que James fasse... Allô, on passe sous un tunnel. Les gars qui t'as pas vu voulaient acheter une Akuma. Il va faire une pause, Paul? Oui. Oui. D'accord. A plus, Paul. Oui, d'accord, ils veulent acheter une Akuma. D'accord. Et du coup, pourquoi est-ce que t'as fait... Pourquoi est-ce que t'as fait 1-2 à 2, on passe sous un tunnel? J'ai pas compris. Ah, parce qu'il en a... Ma blague. Parce que j'ai rien à foutre, c'est que je suis en train de réfléchir. Tu perds. Je vais éviter deux secondes. Je me demande en fait si on devrait pas acheter les oracles qui sont de princesse et la Akuma de Liam. Avant qu'il n'y ait plus. On retourne aux princesses. C'est une question en fait. On a 90 000. Pourquoi quand vous réfléchissez, vous ne pouvez pas me répondre? Pourquoi vous me dites juste pas je réfléchis, je peux pas répondre? Parce que moi j'ai juste l'impression que vous foutez de ma gueule et à chaque fois de passer pour le con de la bande. On va dire ça à Paul. Quoi? Bah pourquoi? Je comprends pas cette... Je comprends pas parce cette... que littéralement en fait tu te sens comme ça, mais t'inquiète pas que Paul c'est 400 000 fois à l'évangile mis. Hein. Oui je sais, on a parlé aujourd'hui. Voilà. Mais lui c'est différent, c'est parce qu'il est blessé. Moi c'est juste parce qu'apparemment je suis con. Et on me l'a fait comprendre aujourd'hui. Non, je crois que t'as pas compris en fait. J'ai l'impression que... Maintenant je te parle de Paul depuis le début qu'on se connaît en fait. Je l'ai jamais pris pour un con, Paul. Non, t'as... Oh là là. C'est compliqué, hein.
J'ai dormi 15 heures, j'ai l'impression d'avoir raté 3 semaines. Bah, ah, mais moi, je me suis réveillé littéralement, on m'a dit qu'il avait une perte de mémoire. Donc bon. Quoi ? Ouais, j'avoue, je suis arrivé pareil, il y avait une amnésie de Liam, je comprenais rien. Hein ? Mais si, oui. Mais je suis pas amnésique. Du secours ? Si. Hein ? Mais. Si, mais si. D'abord, Jane, ma toi. Mais on a rien. Aujourd'hui, au secours ? Attends, laisse-moi parler. Si, il a une petite amnésie. Des fois, il se rappelle de quelques semaines en avant. Par exemple, il pensait que j'étais encore docteur. Mais. Bah non, t'es pas docteur. Mais oui. Et c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure quand on est arrivé. Hein ? Oui. Et. Mais bonsoir, en... Ronny. Mais quel PG celui-là. Comment vas-tu? Et bonsoir. Et... Il fait un petit tour bien, et quand Ronny. Tu envoies la personne, ça va. Est-ce qu'on n'achètera pas, je crois, les deux oracles? Attends, est-ce que tu veux pas acheter? Non, je sais pas, ouais, enfin... Non, non, mais qu'est-ce pas, que... Du coup, quoi, la Kuma de Liam? Moi, je pense que non, c'est... Non, parce qu'en gros, littéralement, il y a Liam qu'on doit acheter un truc, il y a Ronny et Edgar. Je crois que j'ai oublié personne. Ah. Oui, c'est non, ça. Rien. C'est Ronny, Edgar et Liam. Hein? Hein ouais, comment attends, ça non, j'ai non, été non, mais il s'est rien James. Passé. On peut pas virer quelqu'un d'une organisation. T'as fait peur à mon petit cœur, James, hein. Qu'est-ce que... Non, mais il s'est rien passé. Du coup... Ah, mais je... C'est compliqué, là, le téléphone, hein. Ouais. Donc je disais qu'il manque Edgar, Ronny et Liam pour une voiture de moto. Ah. Du coup. Sachant qu'on a un budget de 20 000 pour tout le monde, on a plus de 60 000, donc je suis pour acheter directement, comme ça c'est fait. Ouais. 20 000 par personne. Ça va être environ. Un peu short quand même. Okay. Mais du coup, tu voulais pas donner une des oracles à Edgar? Actuellement, là, c'est compliqué, on peut pas. D'accord. Mais à terme, oui, les deux oracles que j'ai achetés, ils seront dans vos poches, pas qui, mais il y en aura. Et yes, dans tous yes, les cas, yes. À terme, tout le monde en aura une. Bon, du coup, pour Liam, la Kuma, je suis d'accord que ce serait bien qu'il soit pas constamment en train de rouler, de tourner sur des motos volées. Et puis surtout que la Kuma, c'est une bonne moto, donc... Mais surtout, juste par rapport à tout à l'heure, j'ai rien compris à ce que vous avez dit. De... Bah, quand je vous ai dit que j'en avais marre d'être pris pour un con, et après, je sais pas ce que vous avez répondu, j'ai rien mité. Tu penses que je te prends pour un con parce que je te réponds pas, alors que Paul, c'est toi fois 2000, là, depuis qu'on se connaît. Mais non, c'est pas parce que vous me répondez pas. C'est quoi? Bah, c'est ce que m'a dit un d'eux, je passe dans un tunnel, machin et tout. Non, mais c'est pour une blague. Enfin... Bah oui, sauf que ça donne juste l'impression que vous en avez rien à foutre de ce que je dis. Le problème, c'est que c'est ça à chaque fois. Vous avez dit qu'il fallait communiquer et être honnête, mais je vous dis. Oui, non, mais ok, mais t'es en train de me dire ça alors qu'Edgar c'est pareil, Ronny c'est pareil, enfin à un moment donné, calmez-vous. Hein. Ah, mais je sais pas, vous avez dit qu'il fallait dire quoi. Quoi ah, mais... Non, moi ça va honnêtement. Hein. Voilà, t'as une sponge. Non, mais je veux dire, ça va, genre. Je sais pas. Bon, du coup, est-ce qu'on achète la voiture ou pas? Comme ça, c'est fait. Comme ça, il n'y a plus ça à faire à calculer et on peut directement. Du coup, pour, je sais pas, toi, pour Liam, la Kuma, c'est combien la Kuma? 23. Ok. Et Ronny, 19 500. 19 500, exactement. C'est. C'est quoi 19 500? À ton avis. Ça coûte si cher que ça? Bah, encore heureux. Ça va, c'est moins de 20 000. J'ai retiré à peu près les 70 000. Allez, je prends 70 000 pour 60. Après, moi, on a besoin de 60 000 et tu retires 70 000. Non, c'est sur moi. Je retire 80 000 parce qu'on va pas faire le calcul pile alors qu'il va peut-être nous manquer un truc et qu'on va redevoir une tournée ici. Après, moi, c'est pas pressant, chef. On verra après combien. Ok. Ouais, mais non, on va avoir du mal. Je suis jamais tout seul, donc on a faute d'avoir une voiture. Si, avec Jen, on a fait une couleur. Ok. Ma première, ça. Moi, la mienne, elle en a pas, mais c'est normal. Ça coûte cher les couleurs ou pas? J'ai payé 480. Oh bon bah ça va, j'ai quoi de payer. La mienne elle en a pas mais c'est normal, je m'en sers pour, surtout pour la drogue. Les buffalo on va les mettre en blanc et noir pour les braquages mais pas de vert parce que c'est pour les braquages. La bison on s'en sert beaucoup pour le transport donc sans les couleurs c'est mieux. Je crois crever. La Kuma je vais la faire les... je pense. En noir, les buffalo en blanc et noir, genre une en blanche et une en noir.
Non, c'est pas des chaises, c'est des bancs qui sont solides. Ça va aller, James, range ta voiture. Ils sont très bien, c'est. J'aurais préféré avoir des chaises et, un, et une table solide que des bancs. C'est pas une question de ranger, c'était monter dans la voiture. Ah, d'accord. Bon, on va acheter. J'ai pas compris. Allez, monter avec la moto aussi. Non, mais écoute. T'as retiré l'argent du coup ? Bah, c'est bon, non. Non, mais écoute pas, c'est bien ce que j'ai compris. J'ai demandé à la moto de monter ici. Et... James, t'as pensé à retirer l'argent ? Oui, oui. D'accord. Putain, le dérapage du bison. Pas grave, ils vont laisser une. Oh bah. What the fuck ? Merde, mais. Dérapage du bison, quoi. Y'en a qui courent dans les années 90 par ici, hein. Ouais, c'est leur façon de se sentir libre. J'ai pas la ref, mais c'est pas grave. Comme une impression de déjà vu avec ce dérapage. J'ai un peu l'impression de déjà vu avec ces vannes surtout. Oui, totalement. Allez, on va mettre les gaz, gaz, gaz. Ah mais merde, ça trèche. Ça arrive tous les jours, ça devient redondant. Okay, oula, ça tire. Oula, qu'est-ce qui te prend, Liam ? Hein ? Bouge pas. Tu as fait de ton masque. Ah non, non, je regardais juste le masque que j'avais dans la poche. Hop. Bah, Edgar a trouvé une voiture à peu près à 20 000 et tu me dis. On va regarder ça. J'ai déjà envie de dire une Jackal, mais c'est une 23 000 donc. En vrai. En vrai, pourquoi pas le mais Oracle. Pourquoi elle est en jaune ? J'ai choisi noir ! En vrai, James, pourquoi pas, pourquoi pas l'Oracle XS ? Ah, c'est son Oracle. Bon, on en a déjà deux. Non, non, mais après, l'oracle, oui, dans tous les cas, j'aimerais bien un vrai. Enfin. C'est vrai qu'un vrai près de l'oracle, ça peut être sympa pour toi, honnêtement. Elle roule bien plus vite que n'importe quelle voiture, à part l'exemplaire. Quoique, en vrai. Oui, oui, elle roule moins vite. Dans tous les cas, t'allais faire. Elle coûte combien l'exemplaire ? 31 000 et quelques. 34 800. Ah ouais, elle a pas baissé de prix, quoi. Bah alors, faut pas faire des malaises vagos. Mais. Oh là là. Prenez une dans la gueule. Des malaises vagos. Ouais, mais t'es sûr que l'Oracle XS ça roule mieux parce que. Ah bah, je peux te prouver que oui. Ouais, je la vois moins cher que qui est Jackal, Sentinel et tout donc. Et le prix n'a pas d'importance pour les performances. Ouais. Bah. Merci, chef. Comme tu veux, après, ce sera pour le bien de l'organisation donc. À toi de voir. Après, c'est surtout une voiture qui roule pour vous à la base, mais s'il y a des oracles, en fait, ça peut être bien parce qu'en tous les cas, vous en aurez une. Donc. Je sais que ça roule bien, ça se mode bien, enfin, c'est pas très cher à tuer. Et elle monte à 200 sans améliorer le moteur. C'est bien ça. Tu roules à 200, enfin, 180, 190 la nuit. C'est pas mal. Ça dépend en pente et ça. Après à monter, oui, je vais pas faire ces trucs là, mais tu montes très vite de base. Mais je peux faire un peu de off-road avec celle-là, elle a quand même des bonnes suspensions. Ça dépend, hein. Est-ce que tu veux une oracle ou pas déjà? Quand tu regardes à l'arrière là, elle a moi un ça grand, me dérange pas. Hein. Et à l'avant là, elle est double. Je sais pas de l'imposer ou quoi que ce soit. Hein. J'y pensais parce que juste avant, James était en mode est-ce qu'on n'achèterait pas des oracles XS? La ration a pas l'air dégueu. Ok, et bah. C'est parti. Par contre, là, c'est une petite Ah oui, c'est une coupée. Un peu carbone là sur les jambes. Bah. Sur les garde-boue, dégueulasse. Bah, je vais voir combien ça coûte de la custo visuelle. Après, c'est pas la priorité. C'est au moins la mettre toute noire mat. Ouais. Et voilà. Ouais. Ah bah là. On m'appelle la sentencia. Stop. Ah putain. Je crois, c'est ce que m'a dit. Dans ma tête, c'était la sangria. Je vais prendre la bonne couleur. On dirait juste un nom d'un cocktail un peu pourrave, trouvable au bord de la plage. Je pense que t'as raison, ça doit être la sangria qui s'appelle. Oh, on peut prendre un café. Moi, ça me plaît comme nom. Oh, un café.
Ah bah, sangria, ça va bien. Mais là, le problème, il y a une un distributeur qui marche. On est à 3 dans la ville. Non, canette. Un distributeur de canette, d'accord. Lequel? Près des hot dogs. Ah. Attends, poussez-moi. Ah oui, il m'a jamais rendu ma pièce. Oui. Ronny, il a rien pris. Ah mais... Il va prendre. On rentre en mode. Il va prendre, Ronny. Voilà. Il y a toujours pas d'oracle. On vient de prendre la dernière. Je vais passer la mettre en noir. Vas-y, tu peux. Tu as assez pour la mettre en noir? Oui, j'ai les petits sous que nous a donné le chef il y a deux jours. Je dépense pas grand chose. Ça marche, ok. Merde, je me suis raté. Chef, j'ai une plaque de merde, tu peux changer de voiture? Quoi la plaque? Je rigole. Vous savez, chef, cet après-midi, on avait trouvé une shafter, et la plaque c'était Roro. Okay. Et bah, ouais, ok. Soit vous allez bénir, soit vous allez me taire. Je vais au motel, je ferai la couleur plus tard, je suis pas sûr d'avoir assez pour l'instant. Retrouve-nous au motel avec James, on va aller prendre les buffalo et on va aller les mettre en noir et blanc. Reçu, reçu. Est-ce que t'as assez toi sur... Est-ce qu'il te reste... Il te reste quoi, James? Il te reste combien? Donc, tout à l'heure, t'as sorti... James? T'as assez pour faire toutes les peintures? Ah ouais, je vais juste faire à bord de côté. Ok, mais attends, tu devrais peut-être... Mais oui. Ronny, reprends ta shafter. Et on va aller les mettre dans les bonnes couleurs au Venise. Ça rentre parce que je suis un génie. Quoi? J'ai dit ça rentre parce que je suis un génie. Exactement, ça j'ai jamais douté. Ouais, merci. Bon bah où vous avez... Mais... Fini. Donc du coup... Je passe juste à le plein d'essence aujourd'hui. Au total, t'as retiré combien de la caisse? Oh, ah mais... Ah bah oui hein. Ah oui. Ok, non mais on verra combien il nous reste après les peintures. Oui, non mais on verra combien il nous reste après les peintures. Ouais, je pense pas que ça coûte. Je suis sûr que ça ira mieux après les peintures. J'en suis sûr. Ça coûte combien une custo couleur? Pour ma voiture, j'avais payé 480. Là, moi, je suis à 1600.
puissant avec la couleur primaire, secondaire, plus nacrage. C'est cher. Ok, merci. C'est très bizarre. Si je m'attache les cheveux, j'ai les cheveux plus longs, mais avec le chapeau, si je m'attache les cheveux, j'ai plus que les mèches. T'as la casquette à l'envers. Je suis pas sûr d'avoir tout compris, mais c'est pas grave. Ouais, c'est... Moi... Ouais, c'est mieux avec les cheveux relâchés, je trouve. Ah oui. Je t'ai retrouvé, bébé. Hop, il est là-bas. S'attacher les cheveux. Mais non, mais... Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. J'avais jamais essayé, c'est le truc le plus perturbant que j'ai jamais fait. Je sais pas quoi penser de ça. Non plus. Moi j'aurais bien aimé essayer, mais je crois que je sais ce qui va se passer si j'essaye. Je sais vraiment pas quoi penser de ça. T'as pas les cheveux d'Ayato? Non, non, mais si, si. Eh chef, vous voulez pas essayer? J'ai plutôt des cheveux d'Elton. Attendez, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe si Edgar il essaye? Edgar, regarde ça. Attention, je vais m'attacher. Je vais m'attacher les cheveux, attention. Pardon. ça veut dire que Alexa, quand elle se détache tout seul, elle est à toi. 1600 pour les couleurs. Regarde-moi ça, je vais m'attacher les cheveux. Bah, j'en ai eu 1600 pour faire la couleur primaire et secondaire en noir et les deux nacrages en métallique. Je perturbe pas, Liam. Ah, bah d'accord, ok. C'est un rachet du nacrage derrière aussi. Tout va bien, Liam. Comment va ton frère? C'était dégueulasse, ça faisait juste. Non, parce que la couleur simple, elle est genre à 400 quoi. C'est que... Tout va bien, Liam. Comment va ton frère? J'ai pas de nouvelles. Pourquoi ça le perturbe pas? Oh, il est pas non, ça le perturbe pas plus que ça. Bah, pourquoi ça me perturberait? Bah, parce qu'il ressemble plus à ta belle-sœur qu'à ta mère comme ça. Alors, je sais pas si t'as déjà regardé Alexia de près et maman de près, mais non. Merci. C'est pas la même aura. Alors, bizarrement, je l'ai pas fait. Puis, généralement, quand Alexia elle est près de moi, il y a déjà sa lame sous ma gorge, tu vois. Donc, généralement, maman, elle fait pas souvent ça. Moi, comment ça, pas souvent? Ah, si, je le fais jamais? J'ai parlé à Alexia, elle m'a dit merci. C'était cool. En fait, je suis bête parce que si j'avais su, j'aurais pris directement blanche la oracle. Alors, ça, c'est de la merde parce que moi, au conseil, je leur ai demandé une noire et ils m'ont sorti une jaune. Faut prendre celle d'avant. Oui, mais ça, c'est ça, ouais. Mais c'est un peu con au conseil, faut. Oui. Mais bah, je te rappelle qu'avant la saison des tempêtes, c'était la même au magasin de lunettes. Hein. Excuse-moi, mais je crois que c'est un peu différent entre des lunettes et des voitures. J'ai un doute. Mais je crois que les deux sont aussi cons l'un que l'autre, en fait. Bonjour. Bonsoir. Je m'occupe de qui? Bah écoutez, on est tous là pour. tous les véhicules sont à nous. On commence par qui du coup? Et après, ils peuvent faire les deux buffalo, c'est les mêmes. Ouais, on va commencer par les buffalo. Ça sera plus simple déjà. C'est des custos. Bonsoir, Eliana. Ah. T'as compris? Eliana. Oui. Ah, c'est je t'entends. Ah, je dis coucou, ça va? Ça va et toi? Bon, oui. Bonjour, James. T'es de nouveau avec le Bénis? Oui, ce soir, oui. Ok. On peut faire l'autre buffalo? Une custo? Bah voilà. Laquelle? C'est celle du milieu. Ok. Oh là là, le mec s'achète une shafter direct. Que ça m'étonne. Bah pourquoi j'aurais acheté autre chose? Absolument pas. Franchement, je pense que j'achèterai jamais un autre que des shafters. Mais du coup, James, il va me foutre des vents longtemps ou ça se passe comment? Je sais pas. Parce que je t'admets que recevoir juste James Blake par téléphone, SMS... Ah, il t'a envoyé ça comme ça? Voilà, je réponds, pas de réponse. Là, je dis bonjour une fois avant. Mais alors, ça servait à quoi de t'envoyer ce Ouais. Bonne question. C'est bizarre. Si c'est ça, moi je supprime le numéro, hein. Ça sert à rien. Ouais, mais veux pas te parler. Tu veux quoi? Alors attends, je regarde. Ouais, il était mis avec l'orange. Attendez. Du coup, c'est noir avec en couleur secondaire blanc, c'est ça? Non, mais c'est comme ça, c'est nickel. Non, sans nacrage, c'est nickel. James? Okay. Ah oui, c'est noir sombre et. Noir sombre. Ah, et secondaire blanche. Et secondaire blanche. Non, mais blanc, c'est. Et sans nacrage. C'est albâtre le bon. Albâtre. Oh, ça a l'air de coller, hein? Ok. Il faut autre chose ou pas? Il faut enlever le. Attends, qu'est-ce que t'as dit? Il y a un vieux nacrage vert. Je le laisse ou j'enlève? Ah ouais, il y a un vieux nacrage vert. Non, enlève-le. J'en veux pas. C'est marrant, hein?
Tu veux ça? Ouais, c'est nickel. C'est tout? Ouais, c'est tout. Du coup, disons que pour l'instant, c'est tout ce qu'on peut payer. Ouais, hein, c'est compliqué. Pour le niveau 3. Ouais. On a pour. What the fuck? C'est quoi cette annonce du Wissage? On a pour 16 000. Encore, j'ai l'impression d'être en SES, Elisa. Oui. Ouais, 16 000 le niveau 3. Ça fait 1600. Ouais. Ouais, c'est James qui paye. Ah, c'est 1680 du coup. Nickel. C'est non, toujours James toi, qui paye. Je vais bien faire une remise, mais. Prends ton fort, Révisa. T'en as pour 4500. Ok, alors attends. C'est toujours James qui paye. T'as dit quoi? Parce que je les ai toujours pas. Donc. Attends, je la lave quand même. Mm. Bon, je vous mets les 80 en plus ou pas du coup? Bon, pour 80, on les passe après. Ouais. Je sais pas, j'hésite. Non, tu peux les mettre. Et 6400 pour la transmission. James, on a pas les moyens. Non, bah je les mets. Hein. On a pas les moyens pour la transmission. 17600. Voilà. 17600. Ok, bah merci. Je connais les prix. Et voilà, c'est trop. Merci, Léna. Bon, bah il s'est pris un bonjour à 80 balles, écoute. Ouais, bah ma foi. Vu qu'il veut pas répondre. Écoute. Moi, j'aime pas trop qu'on prenne pour une débile. Hein. Mm. Chef de gang ou pas, je pensais qu'on était amis. Donc, vaut mieux que ce soit toi qui prenne les factures jusqu'à présent. C'est noté. Voilà. Chose à faire? Sur celle-ci, non. Et il reste les deux dernières là-bas. Ok, pareil. Non, on va les mettre en blanc, les deux dernières. D'accord. Ronny ouais. En blanc aussi, ta shafter. Ouais. On la met en blanc, ta shafter. On la met ta shafter. Bah, oui, nickel. Pourquoi? Et bah... Pourquoi? J'ai fait une séance de yoga collective, j'espère que tu viens. Ouais, j'étais pas là. Franchement, j'étais dégoûtée. Ouais, j'ai mais je savais pas. En plus, c'était grave bien. Et salut, ouais, moi, j'imagine. J'étais pas au courant. Ah, il y a une remise. Elle attendait que tu lui dises bonjour. D'accord. Quoi? Et bah, monte dans ta shafter, c'est la tienne. Bah, du coup, je dirais au revoir pour avoir une remise. C'est bizarre de m'asseoir dans une shafter. Bah, oui. Pardon? C'est à toi, celle-là? Ça fait en blanc aussi, bah, du coup, j'imagine. Ça marche. Oui, après je l'utiliserai rarement avec cette tenue. Edgar, toi aussi en De quoi? Toutes les voitures sont en noir et blanc. Non, c'est en blanc. Putain. C'est blanc. Blanc ou albâtre? Non, juste. Attends, c'est quoi la différence entre blanc et albâtre? Ah ouais, c'est. Albâtre, c'est celui que vous m'avez fait connaître, hein? Ouais. Non, il y a blanc mat, c'est blanc non, polaire, blanc pur, coton. Laquelle? Neige, Edgar. Alors, moi, j'aime bien blanc polaire. Celle-là, du coup. Bon, bah, blanc polaire. Ouais, voilà. Celui-là. Du coup, t'en as deux, c'est dommage. La foule blanc, monsieur Berry. Mais du coup, pas de. Ah, deux couleurs. Oui. Voilà. C'est ça? Peut-être pas exactement le même blanc. On peut mettre l'albâtre. Ça, c'est un peu plus brillant au milieu. Oh. Non. Non, c'est dégueu. C'est monsieur, c'est très bon. C'est dégueulasse. Du coup, le blanc mat, non, en vrai, le blanc, c'est le même, hein, sinon c'est moche. Ouais, je suis assez d'accord en vrai. Ok, ouais, bah ouais. Il faut autre chose ou pas? Là, y a pas le choix. En plus, ça coûte combien les néons? Le nacrage sur du blanc, c'est immonde. Je mets la facture à qui? Bah, ça se voit pas. Les néons verts? Attends, je vais tirer un nacrage bleu juste pour voir, regarde. Ouais, exactement. Ah! Ça coûte combien les néons verts? En vrai, ça se voit un peu. Oui. Les néons en vert pour l'autre voiture aussi. Bah, hein. Pour les deux voitures, ça coûte combien? Ah, mais pour celle-là, le nacrage vert, ça fait oui. un peu dégueu. Hein. Oui, oui. Pour celle-ci aussi. Excusez-moi, monsieur. Ouais. C'est combien les néons verts pour celle-ci? Les néons verts. Oh. Attends, c'est très très subtil. 1600 les néons verts. Ok. Et combien pour les néons verts sur celle-ci, Yana? Je veux lequel de vert? N'importe, enfin les néons quoi. Attends, on va regarder les néons. Je vais juste te demander si on a assez d'argent avant de vous confirmer. Non, mais je paye la plus tôt. 1600 en plus le néon.
D'accord. Donc 1600 et 1600. James, est-ce qu'il te reste 3200? Non mais je paye la cuisse. C'est bon, Nick. Tu veux un néon? Bah du coup, ouais. De l'engine, alors oui, les néons verts. Les néons verts. Celui-là, oui. Ouais. Voilà. Je crois pas qu'il y en ait d'autres de toute façon, des néons verts. Bah il y a le mint, mais il est plus bleuté. Ah oui, oui, non, bon bah oui, non, c'est le live. Moi c'est celui que je préfère, mais ça va pas pour vous, quoi. Ouais. Voilà, donc le lime. Et du coup, la peinture, on était sur la peinture. Donc, nacrage, en vrai, je pense pas que tu puisses en mettre un stylé. Hein. Ouais, non. Plat première. Ça va être dégueu sur du blanc. C'est mieux sur le noir, nacrage. Mmh. Plus c'est foncé, mais ça. Là, je... Ça peut être sur sa caisse. Si un jour, je ferai un nacrage, je serai sur ma propre caisse. Super, ouais. Ouais, 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 ouais. Merci beaucoup. Là, on sera à 2480. Voilà. Alors, attends, du coup, attendez, juste une seconde. James, du coup, t'as payé les néons pour l'autre voiture aussi? Non, non, j'ai payé la facture. Ah, d'accord, ok, très bien. Je paye les factures, c'est. Ça fera dans tout 2480 pour celle-là, si je valide. Ouais, 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 c'est James qui paye. Ok. Moi, ça ah, me d'accord. Va. Bon, moi, bon, je comptais payer, mais ok. Il va être sympa, je vais lui faire un 2440, il a quand même dit bonjour. Comment ça? Mais moi, j'ai. Ah non. Oui. J'ai eu un effet de vision très bizarre où j'ai cru qu'elle était devenue bleue quand vous êtes passé par la porte. Bah moi j'aime bien le bleu. Oui mais quand même, ça fait bizarre. Alors la dernière fois. En vrai du coup faudrait pas la réparer quand même la mienne du coup en plus. Je peux la réparer. Tu la réparer, elle est là. Ah bon moi j'ai oublié. Non faut que je la lave parce qu'elle est, elle est deg mais... Ah ok. Non, je la vois pas cassée, moi. Ouais, moi non plus. Mais si quoi je la nettoie, ça va te la réparer. Putain, j'ai perdu. Ça va, du coup, j'ai perdu Ronnie. Il s'est rien passé, putain de merde. Est-ce que ça va, Ronnie? Oui, c'est pas ça que je voulais oui, faire. Oui, toujours. Allez, pas exactement ça. C'est ça que je voulais faire. Voilà. Je vais enlever mes lunettes, en fait. Avant que quelqu'un ne me les enlève de la vue du visage. Ouais. Tu la vois encore cassée? Ouais, mais pas grave, hein, j'attendrai qu'elle le soit un peu plus, en vrai c'est juste un petit peu qu'à l'avant. Non, mais ça m'embête, parce que moi je la vois pas cassée, et toi oui, alors c'est chiant. Bah, moi non plus, je la vois pas cassée. Non, je un tout petit peu abîmé là, mais... Bah pas chez moi, bah je vois qu'elle a un poil rayé devant, mais c'est pas cassé quoi. Ouais. Très étonnant. Étonnant. Ni vu ni connu. Putain, elles sont classe comme ça les Buffalo. Elles sont bien, hein. Ouais. Ouais, là c'est... Ah ouais, là, nickel. Je vois pas la différence. Bon bah let's go. Ouais. On est parti, ouais. Merci beaucoup Eliana. Bon, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. À la prochaine. Let's go, on y va. Bien reçu, Ronnie. Reporte, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'il y en a trois qui ont fait boum. Quoi? Mais qui est qui? Ça va? Moi oui, mais apparemment il y a des gens qui ont fait boum. Il y a pas Edgar. Ouais, c'était pas Liam. Je... Non, Liam il avait sa moto. Oh, j'arrive. Merci. Et le troisième? Qu'est-ce qui s'est passé ici? What the fuck? J'ai juste vu un gros boom. Ah, y a Ronnie ici. Donc il y a celle de Ronnie. Il y a celle d'Edgar et il y en a une troisième, c'est ça? Ça va. Celle de Ronnie, celle d'Edgar et celle-là, c'est celle de qui? De personne? Et James, il est où? James, il est déjà rentré en avance. Donc il y avait que Ronnie et les autres voitures, c'est quoi? Bah, il y en a pas une, c'est Edgar?
Edgar, la tienne, c'est laquelle? James, James, il est là-bas. T'es sûr que James, il est rentré en avance? Pourquoi? Oh, tu crois que c'est le là pour pas m'avoir dit bonjour rapidement? Putain, mais... Vous avez appelé les secours? Bah non, je le fais. Bah appelle les secours, peut-être. Moi, je vais m'occuper de lui, hein. J'ai appelé sur l'écouteur. Putain de merde, James. Tu connais le karma, pourtant. Oui, j'ai demandé si vous avez appelé les secours, mais je ne vous entends du coup. Oui, on vient d'appeler les secours, du coup. Tu fais un bon massage de genoux, t'as vu? Oui, je vois ça, je vois ça. Enfin, pour moi, t'es sur la pompe, mais... T'es sur la pompe, plus que sur la pompe. Ah bah, pour moi, je suis bien sur les genoux. Non, pour moi, non. Pour moi, attendez. Il est littéralement... Si je me mets... Juste là... Bah moi, je me mets là où je me vois. Ah bah, là, t'as ses genoux sur ses genoux. Moi, j'ai l'impression de lui mettre autre chose, là, du coup. Alors, Eliana, calme-toi un peu. Secours. Ça va, James, sinon? Bon, qui a une voiture non explosée à part moi? Edgar. Ouais, moi. Elle est où, la tienne? Ah, d'ailleurs Elle est juste là. Ok. Ticia? Ouais. Ça va? Ouais, moi ça va, j'étais avec la moto. Ouais, oui. Non, mais je demande parce que James il est là-bas. Ah, oui, c'est Jérôny là. Oui, mais c'est Rony ah ici. Ah! Alors. Rony. Ça explique ah ouais, beaucoup de choses. Très loin. Oui. Non, mais moi je vois ici aussi, t'inquiète. Oui, non, pour moi il est dans la voiture. Pour moi il est dans la voiture. Ce qui paraît assez logique en soi. Hein. Bonjour! En fait, on a deux personnes à terre. Ici. Et juste là-bas. Je vois plus Rony, moi. Ah si, Rony est derrière. Ah, James est là-bas pour toi. Okay. Mais, écartez-vous, c'est moi, j'ai l'impression qu'il y a plus de voitures que pour deux personnes. Mais William. Ouais, Liam. Liam, t'es où? Liam. Il y a peut-être 3 du coup. Et que personne n'a plus le SPD du coup. Ok, t'inquiète, c'est juste... Il y a eu beaucoup d'explosions. Mais... Liam va bien. J'espère que ça va passer... Oui. Ah bah il y en avait bien un troisième du coup. Alors j'avais Rony mais je viens de le voir disparaître. Il y a Rony, il y a... Ah, bah. Ah merde c'est non, pas non. Moi je vais bien, Rony est en train de se faire soigner, James doit se faire soigner. Tu es en train de le laisser crever en fait. Bah oui, reprends. Pardon James. J'ai besoin d'une station essence. Rony, comment tu te sens? Je viens de brûler là. Tu as été soufflé par l'explosion? Ouais je suppose. Bon, mais heureusement que Paulette est pas dans le tas. Assieds-toi par terre, je reviens. Ouais, ouais. Alors, c'est Rony, James ou toi qui a foncé dans la station? Rony, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. D'accord, donc c'est vraiment... James sur qui la tu bonne, es maintenant? La bonne, c'est que t'es encore en vie. Ouais. Et la mauvaise, c'est que la shaft homme, malheureusement... Je sais pas, moi j'ai entendu, mais je pense que... Elle a pris un peu cher. Pardon? Est-ce que c'est un mec peau blanche, tatouage sur les bras? Oui. C'est okay, lui. Je peux arrêter alors. Bon bah du coup, c'est une histoire de relativité. Bon. Oui bah la relativité est violente, ça sert à rien qu'on soit deux à lui faire un massage cardiaque. Non bah non. Allez c'est parti. Oh James. Comment vous sentez? Putain. Il t'est passé quoi en fait s'il vous plaît? Bah station essence. D'accord. Station donc ils étaient dans le véhicule, ils ont été projetés, ils ont été à côté, ils étaient où? Le véhicule étant là et lui là, il a dû être projeté. Je pense. Ouais. D'accord. Et Rony pareil? Bah pareil, ouais. Il était dans l'autre véhicule qui était de l'autre côté. Il y a eu trois explosions au moins. Okay. Ouais. Je vais t'escorter, on va aller au SMS. C'est pas ouf là. Ça va, Lisa? Ça va, allez. Alors, Liam, je ne sais pas ce que tu fais. Je vais aller au SMS avec les autres. Idéalement, il faudrait nous rejoindre. Ils étaient que deux du coup? Attends. Comment ça, ils étaient que deux? Ils étaient que deux à avoir explosé, oui. Oui, Rony. Ok, est-ce que quelqu'un a de l'argent sur soi? Oui, j'ai 467. 467. Question, est-ce que vous pouvez nous faire des réparations à crédit? Pour disons, 30 minutes, une heure. La voiture explosée là, on peut rien faire. D'accord. L'autre, je vais regarder. Ok, merci. Tous ceux qui sont encore en état, venez dans ma Buffalo et on va au SMS. Celles qui sont cramées, on peut rien faire. Hein.
Ok, très bien. Merci. Bah, l'assurance, tout ça, d'habitude. Ouais, ouais. On va aller voir avec l'assurance. Si, je crois qu'elle a besoin. Elle est abîmée, celle-là, ou pas? Faut vérifier l'avant, parce que ça va pas l'air correct. Ah oui, l'avant est pourri, là. Quoi? Ça doit être ta relativité, ça. Oui, parce que moi, je vois... C'est ta voiture à toi? Oui. C'est pas grand-chose, c'est juste que je vois... Non, bah, t'as dû te taper un truc sans le voir. Si vous le dites... Si, si, il y a le capot qui baille. Non, mais on va pas facturer ça, c'est bon, c'est toi. Donc, pour le coup, je le facturerai pas, non. Oh, c'est gentil. Et... Bah... Ça sert pas à de facturer un capot et sûrement quelque chose qui est vite fait, enfin, une vérification. Ça, c'est le clapet qui est mal fixé, quoi. Ouais, okay. Encore. Je vois rien d'autre, du coup. Voilà. Là, comme ça. Ok, merci beaucoup pour les infos et d'être venu. Bah, de rien. Bah, c'est normal, je suis à côté, on va pas rien faire. Oui, bah oui. Je filme la SMS. Ça a pas été super discret, du coup. Ouais, bah oui. On est sorti chez nous et on a entendu trois booms, on s'est dit... Ah, ah bah écoutez, moi je suis sorti, je roule tranquille, j'entends des booms derrière moi. Et on me dit... Oui, bah oui. Bon, je file au SMS du coup. Merci. Sur l'explosion, quoi. Bah oui. Bon, bah bon courage, bisous. Merci pour votre aide, bisous. De rien. À qui l'aura que j'en ai pas passé? C'est quoi? Vous êtes. Une voiture blanche. Non. Vous êtes où? Je vais me garer au garage du bas. Je suis au SMS. Liam, tu es où? S'il vous plaît, répondez-moi. Donc, Tissia, tu es au SMS, garé en haut. Edgar, tu es au SMS, garé en bas. Liam, tu es où? J'essaye de répondre. Je suis au masque, j'arrive. Ok, merci. Il est où Edgar? Je pense qu'il est en train de remonter. D'accord. Mais j'ai vu la voiture, je l'ai pas vu. Edgar, t'es passé où? Je me suis perdu dans... Ah non, il s'est perdu dans les SMS. T'es vers où? Il est là-bas. Ah, si c'est bon, je... Edgar! Oui, bravo, tu es dans l'eau, retourne-toi. Désolé, je suis passé par l'ascenseur, je m'y perds un peu dans ce nouvel hôpital. Oui, oui. Attends. Là. Il faut... C'est James qui a été dans la station. Je n'en ai aucune idée, sachant que toutes les personnes impliquées ont explosé. Je sais juste que James et Ronnie, c'est là, et que leurs deux voitures ont pété. Mais en dehors de ça, j'ai pas plus d'infos. J'ai vu des choses assez bizarres, je les ai juste vu foncer en direction de la pompe à essence. J'ai vu des explosions dans tous les sens. C'était assez chaotique, je vous avoue. Ouais. Non, on arrivait à la station avec Edgar, on était pas jeté juste derrière lui et ça a explosé. Vous connaissez le nom du médecin qui les a pris en charge? Ayato et rouges, Fallon. Là. Et Laura Fallon. Ah, j'ai le numéro ni de l'un ni de l'autre. J'ai le numéro des deux. Okay. Madame a des contacts. Ah, le SMS, ouais, j'ai pas tous les contacts. Tu m'étonnes. J'ai vu le temps qu'on y passe.
Paul, il avait pas l'air bien tout à l'heure. Bon. Mais pas que au niveau de ses blessures. T'essaies de lui parler ? Pas trop, trop le temps. J'ai envie de tout. Ah, mais ça me saoule, j'ai une oreille bouchée. C'est l'explosion, ça peut-être ? Non, 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 mais ça fait plus longtemps. Comme de par exemple, c'est l'oreille qui est du côté de la radio. Du coup, je n'entends rien à ce qu'on dit à la radio. Ah oui. C'est embêtant. C'est quel côté la radio ? Côté gauche. Enfin, j'entends du côté gauche du moins. Ah oui, donc là, si je parle doucement, tu m'entends pas, quoi. Super. Je dis du coup, si je parle bas, tu m'entends pas, super. T'as de la chance, je suis toujours en train de gueuler. Bah si, je t'entends parce que t'es de mon côté droit. T'as dit que t'entendais l'oreille gauche. Hein ? C'est l'oreille gauche ? Oui, c'est mon oreille gauche qui est bouchée. Ah, mais t'as dit que j'entends de l'oreille gauche. Non. Non, j'entends la radio de l'oreille gauche. Sauf que vu que c'est l'oreille qui est bouchée, ça pose problème. Ah oui, d'accord. Ah, c'était compliqué à comprendre, mais... Oh là là, ce dialogue de sourd. Ouais, jeu de mais... mots. Et t'as compris. Ça va être tranquille ce soir. Ouais. Il y a moyen que je m'absente après plus tard pour aller parler à quelqu'un ou pas ? Pour aller ? Parler à quelqu'un. Oui, sans doute. De toute façon, on va rien faire. T'as vu l'état dans lequel on est ? T'as vu l'état dans lequel on est ? On va rien faire de fifou ce soir. Bah... T'as la même chose, faut que je passe au magasin de chapeaux, je voulais changer ma casquette. Entre l'âme qui a une commotion et... Comment ? Pas tout. Comment ça, l'âme a une commotion ? Ah, mais oui, mais... oui, mais vous arrivez tous un par un, donc... Oui, Liam a des petits problèmes de mémoire à des moments. Par exemple, tout à l'heure, quand j'ai été le voir, il croyait que j'étais encore docteur, il comprenait pas tout. Mais, James, il se rappelait plus que c'était le chef, mais je crois que j'ai trouvé la technique. Faut qu'il parle à la personne qui pense, par exemple, c'est son statut il y a 4 semaines ou plus, ou ce qu'il se rappelle pas. Faut juste le prendre à part, l'emmener faire un petit tour, qu'il respire bien. Ouais. Et quand on revient, c'est bon. Ça a l'air d'aller. En tout cas, ça a marché pour James tout à l'heure. Étrange. Mmh. Justement, quand tu ne te rappelles pas de James, j'ai dit viens Liam, viens dans la voiture, on a fait un petit tour et quand tu es revenu, c'était bon. Et quand tu ne te rappelais plus de moi, à un moment, j'ai juste été faire l'essence et quand tu es revenu, ça allait. Et du coup, entre ça, Paul qui est cassé x10 000. Ouais, ça, il est cassé x10 000. Et à mon avis, là, ils ont des bonnes brûlures. Les deux guides. Il en reste 4 sur 9, quoi. Il y a nous trois à dire ça qui sommes encore en un seul morceau. Et peut-être éventuellement Jane. Ah oui, donc 5 sur 9. Et en vrai... Ça va. Ça va. Non, ça va pas du tout. C'est mais... plus que la moitié. Dans un ratio, c'est... ça va. C'est rigolo. Les 30% de perte. Putain, je suis le dernier mec de Mistral qui est encore normal. Enfin, qui est encore en un seul morceau. Moi, je vais bien. Je suis une petite entorse. Hier. Une entorse ? J'ai fait encore. J'ai eu beaucoup de chance, mais j'étais à moto, en course-poursuite. Pour la je sais plus combienième fois. Pete, une voiture de police sans faire exprès. Et il n'y a pas à dire ce blouson quand Liam même. Oui. Bah oui. Cette blouson de biker là. Bah. Mais t'es un peu tout en noir, tu risques. Ouais. Non mais. On a plus le droit de saper en noir. Non, c'est pas ça, c'est que ça fait bizarre de nous voir avec cette veste. Oui. Ah. Bah ça reste la mienne quand même, j'ai le droit de. Je sais. Je sais bien. C'est juste bizarre. Petite
Spiker. J'avais prévu de venir en blanc, mais comme ça avait l'air urgent, bah... sorti mon bomber vert à l'occasion. Je t'ai pas donné de détails, mais c'est parce que j'en ai pas vraiment. C'est-à-dire que on partait du LSMS, on a entendu les explosions, on est revenu sur place, il y avait Ronnie et le chef qui étaient à terre. Désolée de... Voilà, c'est juste pour vous prévenir. Bonsoir, vous parlez un petit peu fort. Merde, je hurle depuis tout à l'heure, je suis désolée. C'est pas grave, y a pas de souci. Oui, Elisa, tout à l'heure, quand tu m'as parlé à l'autre bout du hall d'entrée, effectivement, je t'ai entendu. Je suis désolée. Sauf que je ne te voyais pas à côté de moi, du coup je me disais c'est bizarre. Et oui, non, en fait, c'est que tu gueulais littéralement de l'autre côté du hall d'entrée. Je suis désolée. T'inquiète, il y a des choses qui arrivent. Pourquoi la station elle a explosé? Parce qu'ils sont rentrés dedans, je pense. Je pense qu'ils sont rentrés. Je pense qu'il y en a l'un qui est rentré dedans et que l'explosion a poussé un autre le deuxième véhicule dans une autre borne. Parce qu'il y avait plusieurs bornes qui étaient explosées et on a entendu plusieurs explosions. J'en peux plus des explosions. Il y en a aussi pour la réparation de l'autre, c'est bon. J'ai demandé, mais elle a dit qu'en gros il faudrait voir avec l'assurance. Donc on ira voir. Ah! Ronnie! Bonsoir! Et bonsoir! Bonsoir, Ronnie! Et voilà, je voulais retaper. Bah, ouais, merci, ça va. Comment va-t-il? Bah, écoutez, il va bien, il a été assez sonné, mais une entorse au niveau du bras gauche. Okay. J'ai mis une attelle. Je lui ai donné également ma pommade au cas où, et quelques médocs si les mal de crâne venaient à revenir. Okay. Pas trop de brûlure. Non, ça va, mais justement, je lui ai donné la crème, enfin, il y a quelques brûlures et quelques coupures, forcément, liées à la projection, mais la crème, justement, permettra de l'aider à cicatriser. Ouais, ok. Et pour Monsieur Blake, des nouvelles? Non, du tout, c'est Elora qui s'occupe de lui. Et sinon, pour Ronnie, des recommandations sur le genre d'activité qu'il vaut mieux éviter en attendant qu'il guérisse? Bah, tout ce qui pourrait être des activités de force qui pourraient nécessiter son bras gauche. Ok. Mais la taille, il devrait pas la garder longtemps. Un jour, deux grand maximum. D'accord. Très bien. Très bien. Merci. Merci de je n'empêcherai pas de conduire, mais qu'il fasse attention. Pas d'excès de vitesse, parce que c'est quand on fait des excès de vitesse que on a plus de mal à rattraper son véhicule s'il dérape ou quoi que ce soit. Vous inquiétez et un accident pas, à 180, c'est pas la même ça. Force qu'un accident à 60 km/h. Tout à fait. Bien sûr. Mais j'ai un véhicule qui roule pas vite et qui freine bien. Mais écoutez, donc c'est parfait alors. Okay. Merci beaucoup, docteur Hank. Mais de rien. Allez, passez une bonne soirée et prenez soin de vous surtout. Merci. Docteur, je peux vous embêter, vous demander de la tisane? Est-ce que c'est Alex là-bas? Je vais aller en chercher. Je crois que c'est Alex. Putain de merde. C'est Alex ou l'autre de groupe 6? Parce qu'il y en a un qui lui ressemble beaucoup. Mais oui, mais ils sont tous les deux là en fait. Il y a Alex et son pote de groupe 6. Enfin, son pote, son employé, quoi. Ah oui. Oh là là, vous nous avez fait une belle frayeur quand même, hein. Bah, je pense que, ouais, franchement, par contre, je pense que j'ai été le plus effrayé, hein, quand même. Mais putain, j'ai pas compris comment ça s'est fait. Je sais pas si quelqu'un a compris ce qui s'était passé. On a pas trop compris non plus. Ah. Oui. Tu as besoin de t'asseoir peut-être. Est-ce que tu veux que quelqu'un te ramène au quartier, Ronnie? Ah, vous m'aurez... On m'entend ou pas? Oui. Oui. Ok, alors parce que je crois que j'ai eu un espèce de grosse phase de blanc de bien 15 secondes où plus personne ne parlait. Oui, d'accord. Oh putain! Ménage-toi, Ronnie, ménage-toi. Ça va aller? Oh. Il vient de se passer quelque chose de très bizarre, genre. Il y a le docteur à côté de moi? Oui. Ok, parce que je l'ai vu apparaître, mais. Genre, il était pas là, il y avait pas le gobelet dans les mains là. C'était très bizarre. Non, tout va bien, Ronnie, t'inquiète pas.
Ça doit être les... Okay. Ça doit être les... Le résultat du choc, les derniers effets. Ouais, je pense que ça doit être ça. Est-ce que t'as besoin de t'asseoir, peut-être? Ouais, je vais pas dire non à m'asseoir. Oui, vas-y. Et oh putain. Les canapés sont confortables. Est-ce que tu veux que quelqu'un qu'on te ramène à ta chambre que quelqu'un reste avec toi pendant qu'on attend Max? Oh non, non, ça ira. Attendez le chef. Okay. Ah, j'ai le seum, ils ont que du Icola ici. Oh. Non, la machine est en panne. Vous avez pas de nouvelles du docteur? Ah oui, on vous a demandé si vous aviez des nouvelles du docteur Ferrand, excusez-moi. Mais je peux demander si vous voulez. Je voudrais pas. Non, non. Enfin. Oui, si vous pouvez. Docteur Fallon, vous en sortez bien avec l'autre patient? Ça me saoule. Pas de spring. Je crois que c'est de la tisane, elle est trop bien la tisane. Elle est détendue. Vous voulez de la tisane? Enfin, de la fusion, j'appelle, mais. Alors, moi, je suis bien preneuse. Je serai preneuse. Bien sûr. Ça ferait du bien de me détendre un peu. Je vous mets dans un gobelet à café. Ça garde mieux la température. Le rayato. Merci. C'est encore des barres, pas celles, le pralin, les autres. Oui, date, amandé, noix de pécan. SMS. Ouais, exactement celle-là. Ouais, j'en ai deux sur moi, tenez. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont besoin de manger ou de boire? C'est bon. Non, je mange. Tu peux répondre à Yam alors? Tout est ok pour ton nom. Merci. Merde. Et du coup, vous avez eu une réponse du docteur Fallon? Et James, non, du tout, j'ai entendu le bruit de la radio, mais j'ai rien entendu, alors... Ok, je vais faire une opération. Peut-être en salle de réveil, je vais aller voir. Ok, merci. Elles sont trop bonnes, c'est pas possible de prendre. Il est adorable, ce doc. Ah, il est trop sympa. Il est apaisant. En plus, il fait des... Elle est trop bien, elle est trop bien. Ces barres de céréales, elles sont... C'est lui qui les fait. Il n'a plus un pas, il fait de la relaxation par la voix. Elle est juste trop bien en fait, cette figure. Bonsoir. Bonsoir. Okay. Bonsoir. Bonsoir. Salut Rodi. Ah, bonsoir Alex. Comme d'hab. Oh bah dis-moi, c'est étonnant. Non mais attends, bah, oh, je suis choqué, hein. Oh mon dieu. Allez, Alex, en face de moi. Oh là là. Franchement, j'arrive plus à être surpris maintenant. C'est... Oui. Mais... SMS, c'est trop classique en fait, faudrait. Ouais, c'est vrai, c'est chiant. Non, mais c'est ça en fait, faudrait des trucs. Genre, qu'est-ce qu'on a pas fait? Sur Ixen. Oui. C'est vrai. Alors, oui. T'as pas d'accord que vous parlez avec vos amis? Dans la phrase suivez-moi, il y avait. Suivez-moi. Ah, mais j'ai pas entendu. C'est pas grave, mais n'oubliez pas votre femme. Oh, j'ai envie de cadeau. T'as une femme? Non, j'ai pas de mes dents. Non. Quoi? T'es marié? T'es marié dans les trois dernières semaines? Comment ça? Mais non. T'es trop fort. Alex, tu me casses des choses. Hein. Attendez. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'achever là? Faire une photo du marié. Genre, est-ce que vous pouvez découdre les poings et me replanter un couteau là? Mais putain, qui t'a planté un coup? Qui t'a planté? Mais comme d'hab, mes employés, comme d'hab, ils essaient tous de me tuer tout le temps. Oh là là. Ça va d'un coup, vous le savez de toute façon. Vous le savez, quand je fais un SMS, c'est toujours parce qu'il y a de mes employés qui essayent de me tuer. Ah oui. Que le SMS fasse. Dure vie que d'être patron du G6. C'est insupportable. C'est pour ça qu'on était avec Ortiz, il fallait parler. Oui, bah oui, je comprends. C'est difficile. J'ai envie que d'être patron de 6. Hein. Raconte-nous tes malheurs. Oh, ben alors, attends. Alors, bonjour, je m'appelle Alex Eriksen, je suis copatron du G6 et mes employés ont essayé de me tuer 5 fois. Oui. Une fois bonjour Alex. Bonjour Alex. Oui, bien sûr. Une fois en me faisant exploser dans une station. Alors, votre ami n'a malheureusement pas eu autant de chance. Oui. Alors, il n'est pas de choses trop graves, mais là, ouais, il est en salle de réveil. Ok. Il a eu une opération assez lourde. Je vous explique, en fait, le choc a augmenté assez fortement la pression intracrânienne. On a été obligé de lui faire un petit trou pour réduire la pression, pour éviter l'hémorragie interne et donc une mort cérébrale. Donc là, actuellement, il est inconscient. Placé sous respirateur artificiel, il a besoin de beaucoup de repos. D'accord. Quand il se réveillera, on pourra lui dire que vous pouvez venir le chercher une fois que nous aurons fait un check-up pour être sûr que tout va bien. D'accord. Donc j'ai envie de dire, votre autre ami qui a eu une simple entorse, il a eu énormément de chance, contrairement à monsieur. Voilà.
Ok. Donc, pas la peine de forcément l'attendre, vous pouvez rentrer, et puis, de toute façon, vous serez informé très rapidement de son réveil. Oui. On peut aller voir ça de réveil. Bah, il est inconscient pour le moment, mais attendez, on va aller voir le docteur Brunch, vu que c'est lui qui a co-assisté à l'opération, c'est lui qui vous donnera son aval. D'accord, ok. Venez. Bien sûr. Docteur Brunch. Madame aimerait savoir si elle peut aller rendre visite à son ami qui est actuellement sur le réveil ou pas. C'est possible après. Ouais, bah c'est possible, vous pouvez l'emmener. Bien sûr, je l'emmène. Ouais, non, c'est possible, ouais, tout à fait. D'accord. Merci, Docteur Brunch. De rien. Allez, venez, suivez-moi. Merci. Bonjour, Docteur Luca. Recousu. Puis, là, j'ai rejoint mes collègues. Docteur Ortiz. Vous êtes fantastique. Le voilà. Merci. Je vous laisse tranquillement avec lui. Et si vous en avez besoin, n'hésitez pas à biper le SMS tout simplement. Ok, très bien, merci beaucoup. De rien. Putain. Ok. Tiens, je vais envoyer un SMS à dire ça, en disant de ne pas s'inquiéter. Et que même si c'est pas fou, ça va aller mieux. Tu vas guérir. Et que le médecin m'a bien précisé que ça allait bien se passer. J'arrive. Oui, viens au SMS s'il te plaît, mais reste très prudent avec ton dos. Tu veux que je vienne te chercher? Ouais, je veux bien, merci. Ça va, madame Villa? Oui. Ça va. Madame Villa? Oui. Oui, oui, c'est ça. Ça va. Ok. Je vous laisse. Oui, mais je peux que je ne reprenne mon service et apparemment il y a... Ça va. Est-ce que... Oui. Est-ce que vous pouvez... Non, c'est pas ça, c'est que j'allais dire... m'amener les autres, mais je... Pas tout de suite, dans deux minutes, j'irai les chercher. Ok, d'accord, moi j'irai les chercher, pas de soucis. Vous voulez que je vous laisse encore deux minutes tranquille avec lui? Ouais, merci. Ouais, pas de soucis. Plus jamais. Je vais avoir un médecin qui me dit qu'il a besoin de faire un trou dans ta boîte crânienne pour éviter la mort cérébrale. Ok? Je sais que tu m'entends probablement pas, mais... Je veux que tu te réveilles et que t'ailles mieux, et que tu me fasses plus jamais ça.
horrible. Je pense vraiment qu'heureusement qu'il m'a dit tout de suite que t'allais pas forcément te réveiller tout de suite, mais t'allais te réveiller. Parce que si on l'avait pas dit, je sais pas ce que j'aurais fait. Si ça avait été, on a eu besoin de lui faire un trou dans le crâne, et on sait pas s'il va survivre ou non. Je sais pas. Je vais chercher les objets. Je reviens. Désolé pour ce bruit de personne qui se mouche. Mais j'étais en train de chialer pour de vrai. Oui. Je vous laisse la place. Mais oui. C'est stable. Je ne sais même pas ce qui s'est passé. Je ne vais pas vous cacher que je viens de prendre mon service, donc je suis absolument au courant de rien. Du tout. Bah, de mes souvenirs flous. Une pompe à essence d'un peu trop oui, près. Ça, oui, ça, j'ai compris, mais. Mais sinon, c'est. On n'a pas entendu. Madame Duller, vous entendez pas. Excusez-moi. Pas de soucis. Toi, William, vous êtes où? Sur le
parti. Je vais les chercher. Le docteur Wu va venir vous chercher. Ok. Ils sont à l'accueil. Ils sont sur le parking pour l'instant, mais ils vont arriver jusqu'à là. Quand je parle de parking, c'est en haut, hein, pas en bas. Il rentrait dans le hall, le docteur Blue va venir vous chercher pour vous emmener en salle de réveil. Alors, en gros, Rony, toi ça va à peu près, t'as été sonné. J'ai été sonné, j'ai eu une fracture au bras. Ça, tranquille. Tout ça, voilà. James a été moins chanceux. Et. Choc lui a causé une grosse pression cérébrale, ils ont dû opérer pour éviter des très grosses séquelles. Mmh. Et donc, les médecins ne savent pas s'il va se réveiller ce soir. Ah. Mais il va se réveiller. Oui. Il va se réveiller. Oui, oui. Il va se réveiller. Il n'y a pas de danger de ça. Sans cette chef, hein. Il se réveillera toujours. Ouais. Ouais. Exactement. C'est best. Attends, j'espère que c'est pas de ma faute. C'est des accidents, c'est la faute de personne. C'est pas de ta faute, c'est pas de sa faute. C'est un genre de choses dans cette ville de dégénérés, ça arrive. Ouais, ça arrive, mais merde quand même, quoi. Merci beaucoup, docteur. Pas de soucis. Donc, Léon, Paul, pour vous refaire le topo, la station essence a explosé, enfin, on était au Belize, le chef et Ronnie ont eu besoin de faire le plein, ils sont rapprochés de la station essence qui a explosé, ils ont été attrapés dans le radius de l'explosion, non, radius c'est un os en français, dans le rayon d'explosion, merci. Et Ronnie s'en est sorti avec une entorse au bras, je sais plus. Une entorse au bras. Le docteur Ayotou lui a mis une attelle. Et un choc, il a été un peu sonné, mais avec la pommade pour les bleus et les médicaments, ça ira mieux. Le chef s'en est moins bien sorti. Et pour éviter des gros soucis vis-à-vis de la pression crânienne qui avait trop augmenté, ils ont fait une opération du cerveau, enfin du crâne quoi, opération crânienne, et ils savent pas s'il va se réveiller ce soir, mais normalement il n'y a pas de risque que, enfin il devrait se réveiller, il n'y a pas de risque que, bref. Ok. Je sais pas si, je vais regarder. Oui. Je sais pas du tout si vous voulez rester ici jusqu'à ce qu'il se réveille ou si vous voulez attendre qu'on vous donne des nouvelles. Je sais pas pour les autres. Bon, on a une réponse. Je l'ai. Ouais. Oui. Je sais pas pour les autres, on va sans doute rester un petit moment. Okay. S'il se réveille pas, attendez. Je laisse un petit moment, alors je vais voir les autres. Merci. Est-ce que d'entre vous me suivent aussi? Moi, j'y vais. Non, Paul, pas toi. T'es blessé. De quoi? J'ai dit tu es blessé, si jamais Liam décide de partir en moto, il vaut mieux que ce soit Ticia parce qu'elle peut suivre et monter sur la moto, sinon c'est moins dramatique. Toi si t'as un accident de moto, c'est dingue. Dehors sur le parking. Ça peut aller, tu te souviens? Ça peut aller.
Ok. J'ai un peu mal à réfléchir à tout. On va dire prendre maintenant. Et... Qu'est-ce qu'on a comme voiture actuellement qui ne sont pas. Qui n'ont pas explosé. On a une Buffalo et la chapter à pété. Il me reste mon oracle. Ton oracle est en Manita. La Buffalo que je conduis est en Manita. Ok. Mon SUV. Ah oui, non, mais après toutes les voitures qui n'étaient pas sorties, je voulais dire les voitures qu'on a en Vélis. Ok. Ouais. Donc c'est. Ouais. Ça, il faudra les ramener. La Buffalo, la moto de Liam et mon oracle. Ouais, la moto de Liam, c'est vrai. Ok. Je pense un truc, mais je sais pas si je sais pas qu'est-ce que vous voulez faire par rapport à ce qu'il m'a dit. Si vous préférez rester avec lui, oui. Le truc, c'est qu'on sait pas quand est-ce qu'il va se réveiller. Oui. Il sait même pas s'il va se réveiller ce soir. Après, ça me fait chier de le laisser quand même. Si. Exactement. Bon, c'est le chef, hein. C'est, il est giga résistant, mais merde quoi. Ouais. Qu'on peut c'est quand même une différence de cul bordé de nouilles. Hein. Qu'est-ce que tu dis, pour moi, l'entorse, pour lui, le coma. Il peut peut-être essayer de se relayer à son chevet assez régulièrement. C'est ce que j'allais vous proposer. Si je sais pas ce que Paul en pense, il faudra que je parle avec deux autres. Ouais, moi, ça me va. Mais actuellement, avec l'argent qu'on a retiré pour les derniers véhicules, on est un petit peu à sec. Ouais, un petit cash peu, alors qu'on aille... Et par un petit peu, je veux dire, on est en dessous de 10 000. Ok. Pour la caisse. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on se relaye avec James, pour que quelqu'un reste avec lui. Ouais. Et que les autres. Ça me va. On va remplir les caisses pour qu'ils reviennent et qu'on soit en meilleur état qu'il me l'a laissé. Ça me semble être un bon plan. Ok. Ah bah, de toute façon, c'est le chef. Merci. Ticia, Liam, des nouvelles? Sur le parking. Ok, on va vous rejoindre. On leur en parle et ensuite on envoie quelqu'un faire la tournée, enfin le premier quart. Je pense que c'est ce qu'on va faire ça. Oh putain, le bras. On se rejoint tout de suite, James. A bientôt, boss. Solide. Reviens-nous vite. Et en forme. Elle est un petit peu par là. Ouais. On va voir si j'ai une bonne mémoire, mais normalement c'est pas loin. Là c'est à droite. Et là j'hésite si c'est pas encore à droite ici. Droite et gauche, et je crois que je suis un génie. Et non, je suis complètement con. On est perdu. Non, c'est bon, c'est là. C'est si. Non, c'est celui-là. Là, tourne. Paf. Okay. Oh là là. Ronnie, quel BG. T'as vu ça? Sens de rotation à toute épreuve. BG. C'est pas en ces termes que je parlerai de moi, mais merci. Hey yo, LB. Bonsoir. Ah, hey yo. LB. Je vois la moto. Petit accident de moto. Parce que... Ah, on aurait dû prendre l'ascenseur en fait. On descend. Ça va? Oui. Ok. J'ai quelque chose dont je voudrais vous parler à Ticia et tout. Ok. On va. Pardon? Vous avez dit quoi, docteur Bou? Je vous laisse. Ah oui, merci. Moi, ça va.
Laetitia, j'ai un truc dont je voudrais parler avec l'une des autres. Ah oui. Ouais. Bah, bonne soirée. Oui, bonne soirée. Deux docteurs. Ça fait bizarre de vous voir habillés. Ouais. Ouais. Là, on est tous en blanc maintenant. Ils ont tous volé mon style. Pas les couleurs, mais exactement le style. C'est vrai que c'est exactement. Tu n'es pas de parler, Lisa ? Si, si, je voulais vous parler avec les autres. Ah. Pas de soucis. Ou au trois quarts du temps. On va vous laisser le temps. Oui, je vous appelle dès que j'ai des nouvelles. Oui, de toute façon, okay. Quelqu'un va sans doute rester ici. Ok, d'accord. Alors, je vous laisse. Merci. Alors, ce que j'ai proposé aux trois autres, Liam, Ticia, c'est bien simple, c'est avec les achats qu'on a fait pour les véhicules. On est un peu à sec puisqu'on est en dessous de 10 000 dans la caisse. Et dans la mesure où on n'a pas de nouvelles sur combien de temps ça va prendre pour que James se réveille, la proposition c'est la suivante, c'est qu'on se relaye pour que quelqu'un reste avec lui et que les autres en fassent le maximum pour engranger de l'argent et faire en sorte que quand le chef revienne, Mistral soit mieux que quand il est arrivé à l'hôpital. Je sais pas si vous êtes ok avec ça. Mm-hmm. Quelqu'un a prévenu Ersa par message. Je l'ai fait. C'est la première chose que j'ai fait. Si ça vous va, on va faire ça. Bah c'est parti, hein. Go faire de la mette. Faut voir ce qu'on a en stock déjà, parce que je sais pas si on en a encore. On a fait pas mal hier. Je pense pas qu'on ait tout vendu tout à l'heure, du coup. Non, non, on n'a pas tout vendu tout à l'heure. À cause du fait que... S'il le faut, je peux me dire pour prendre le premier quart. Je veux bien le faire. Moi. Tu veux le faire, Lisa? Ou tu veux que je m'en charge, c'est bon? En vrai, vu mon état, je peux rester, sinon. Je serai à rien sur place. Donc laisse prendre le premier. T'as pas le premier veillé, Paul. Ok. Courage, tonton, occupe-toi bien de lui. Ouais. Et prends soin de toi aussi, hein. Parce que le dos après, bon bah t'es plus droit et tu peux plus faire grand chose et tu peux plus t'excuser comme tu me l'as appris. Ouais. Allez, on y va. Bon courage, Paul. Sois fort. Ouais. Elisa, du coup ça dérange si je vais juste voir quelqu'un vite fait et je reviens après. Non, mais pas de soucis d'ici. Tu t'es pas venu en moto, t'y vas? Ah, attends pour moi. Non, jamais. Par contre, ici, reste en radio, s'il te plaît. Ah ouais, bien sûr. Et du coup, les voitures qui ont explosé, il leur est arrivé quoi? Le magasin change de tenue. Ouais, on va pouvoir tout faire. Superette ou vente? Je pense qu'on va partir sur la vente. Ouais. Le docteur m'a dit que j'avais le droit de conduire, c'est pas moi qui arnaque. Oui, j'ai vu. Il a juste dit de faire gaffe et de pas courir trop vite. Ok, bah il y a Superette à côté du commissariat, mais c'est peut-être un peu cramé. Juste, enfin, le magasin de vêtements. Non, on va bien le ah, ok. De toute façon, on va pas aller faire ça à vendre avec cette voiture. Oui, bien sûr. Donc on va passer au quartier. Et on ira récupérer mon Renko, c'est très bien. Il est plus ou moins manuel. Oui. Ok. Sur les autres Ticia va
Parler à quelqu'un. Truc perso. Paul reste avec le chef. Et Edgar ramener sa nouvelle pièce, je sais pas où. Ce que je peux vous proposer, oui, c'est de faire comme on a fait tout à l'heure avec Edgar, il y avait Moon et Paul. Mm-hmm. On se met à un endroit et en fait je chouffe les entrées et je vous préviens quand les patrouilles arrivent, par exemple la fête foraine. Ce qui vous laisse largement le temps de vous cacher le temps que je les vois à l'entrée du ponton. Franchement, ça a bien fonctionné la fête foraine. Hein. Parce qu'en fait, comme il n'y a qu'un accès, je les vois tout de suite et s'ils arrivent à pied par la plage et tout, j'ai repéré un toit sur lequel je peux être. Ok, bah let's go. Juste par contre, on va aller changer les voitures. Par contre, on prend pas le bison. Non, non, on prend pas le bison. On prend pas le bison et on prend pas celle d'Edgar non plus, on va prendre mon Rampo. Ministre de Daron à Edgar. Pas fait exprès. Elle est où sa caisse à Edgar ? Je la vois pas. Mais je crois pas qu'il ait pris une caisse. Mais si. Edgar, t'as ramené ta voiture. Ah, il l'a mis sur le parking. Ta voiture, elle est sur le parking ? Ouais. Ok, d'accord, ça marche. On se retrouve au quartier. Alors... On fait la chaîne ou... Bon, on va juste prendre... Ah, la chaîne, c'est pas mal rapide. Si tu veux, je m'en charge. Vas-y. Il reste de la mètre. Ouais, il reste presque 200 de mètre. Parfait. Après... Oui. Pardon. Où est-ce qu'il est le bison? Parce qu'il me semble qu'il reste encore pas mal de choses dedans. Le bison, il a été rangé. Ah, merde. J'aime ce qu'il y a les clés. Ouais. Zut. Pardon. Et du coup, la chaîne, on fait... Ça va? Ah. Ouais, je fais des... T'as dérapé? Ouais. Sol glissant. On est à combien là dans le camion, Lisa? Soixante-dix. On a la place de mettre toute la mètre. Il y a combien de coke en stock? Je vais te dire ça. Ça marche. On a... ...439 de coke, 1031 d'opium et 649 de weed. Ok, on va vendre ce qu'on a encore et après on verra si on préfère transformer le reste de la mètre et la vendre ou si on peut faire vendre un petit peu de coke.
Il y a 250 mètres, ça fait 125 pochons. Il reste de la bouffe dans le coffre ? Oui, il y en a plein. Oui. Ok, parfait. Je vais te donner ça. Je récupère... attends, il faut que je fasse une micro-sieste, mais ouais. À la limite, on va transformer la mètre qui reste et on l'emmène au passage. Hein. Franchement, oui. Après, faut pas risquer trop gros si on se fait toper la voiture. Ouais. Après, celle-là, ils la connaîtront pas. Après, moi, quand je vendais avec Titian le soir, on fermait la voiture. Oui, non, mais ils connaissent toutes les positions des voitures et ça fait 4 fois qu'ils tournent autour du burrito. Du l'autre, là. Oui. Mais je veux dire, moi, je la ferme, la voiture. Oui, non, mais tout à l'heure, c'était à deux doigts de la forcer, en fait. Ah oui! Bah, ils étaient autour à 5 pendant genre 10-12 minutes. D'accord. Bien retenu. Merci. Ça va aller, hein, tu sais, il est pas mort le chef. Il va survivre. Il est trop fort. Bon. Ouais, il aurait pu rester, mais il a survécu. Oui, il serait mort, je l'aurais tué moi-même. Hein. Je sais pas si ça aurait été plus efficace. Oh, je pense. Ah, attends. Ah, oh. Ah. Voilà. Ah oui, attends, merci. Bouge pas. Ah. Putain, j'ai cru que tu m'avais offert une annonce pour les unicornes. Une deuxième même. Oh putain, elle un peu à boire, c'est possible? Pas de soucis. J'ai posé mes armes. Oui. Je vais vous faire pareil. Ouais, posez toutes vos armes. Même les armes blanches. Même les armes blanches. Oh, remarque, la dernière fois, ça s'était bien passé. Non, mais vous posez tout. D'ailleurs, bro, même si jamais tu veux pas, il y a des flics qui essayent de prendre ton arme. Ah non, arme de genre ta machette. Quand ils te demandent si t'as un truc qui peut les blesser, dis-leur que t'as un gros couteau. Tout ce qui vient de l'amination, c'est ok. Toutes les armes blanches de l'amination, c'est ok. Toutes les armes de couteau. T'inquiète, ça suffit, mais... Le petit couteau et la machette, c'est pas ok. Ah, genre, j'ai pas le droit de couper du bois, quoi. Non. Bah, moi, si, j'ai le droit. Tu coupes pas du bois avec une machette. Oui, mais la prochaine fois, t'auras sûrement pas le droit. Bah, à la base, c'est pour ça, une machette. C'est une hache. Alors, une machette, ça sert à couper le petit bois. Je peux te dire, je mettais des quantités de feu avec. La machette, c'est pour c'est pour dans la jungle, pour couper les branchages. Oui, tu peux t'en servir pour les ronces et tout, mais ça te permet de couper aussi les petites branches, genre du noisetier ou autre, pour faire des départs de feu. Ah, bah oui. Genre, roule le lierre, comme ça, ce truc-là, donc tu peux couper plein de choses avec. Il n'y a plus de drogue. Je pense qu'on va passer à la mètre pure. Ok. Alors, de la bonne mètre pure. Celle-là, c'est par 30, ça ira plus vite. Ouais, ça ira beaucoup plus vite. Surtout qu'il y en a que 150, je crois que c'est. Merci. Les gars, c'est la mètre pure à prendre. Bah, on prend la mètre maintenant ? Oui, on va aller la transformer et ensuite on ira vendre. Ok. Il y a encore de la place dans le coffre ? Ouais, il reste 30 kilos dans le coffre. Let's go.
C'est l'avantage d'avoir pris un truc à 70. C'est l'avantage d'avoir pris un truc à 70 kilos. Il y a plein de plans encore. Hier, ça s'est réveillé. Si, tout est super génial. Finissez s'il vous plaît de mettre la mettre dans le coffre, ok, je vais parler à ça. Ouais. Les gars, gâteau ouais. La chaîne. J'expliquais alors, juste un peu ce qui s'était passé rapidement, ça y est. Voilà, vous sortez du Venise, le chef et Ronny sont allés prendre de l'essence, la station d'essence a explosé. Ronny s'en est sorti avec pas grand chose, une entorse et le choc. James, le choc a augmenté drastiquement ça. Je crois que le docteur a dit sa pression crânienne. Ils ont dû lui faire un trou dans le crâne pour éviter la mort cérébrale. Et ils m'ont dit que ça devrait aller. Mais ils ne savent pas quand il va se réveiller, si ce sera ce soir, demain ou même plus tard. Ok. Avec les autres, on est parti sur du principe que... On allait faire une rotation avec quelqu'un qui reste avec lui, même s'il n'est pas réveillé. Et que les autres, on allait s'affairer à faire de l'argent, parce que juste avant toutes ces histoires, la raison pour laquelle on était au Bénis, c'est parce que on a retiré pas mal pour faire en sorte que ça y ait tout le monde à sa propre caisse. Il y en a plus. Ok. Et du coup, maintenant on est un peu à sec, on est en tout 10 000. Donc le principe, c'est que l'idée, c'était que quand James se réveille, qu'on soit... beaucoup mieux que quand il est parti à l'hôpital. D'accord. Voilà. Donc là, on allait transformer le reste de maîtres qu'on avait dans le coffre, et après on allait voir. Et Paul est au... Oh, il s'est laissé avec lui. Ok. Alors, on va se changer pour que tu... Enfin, on va te... On va oui. Que tu te changes et on va la transformer. Oui. Ok, direction magasin de vêtements pour lire ça et ensuite on va à la transfo. Je pars à la transfo devant voir s'il y a quelqu'un. Ça marche, merci bien. J'ai coupé le moteur. Ah d'accord. Comprenez pas. Mais bah, faut pas traverser quand tu vois un véhicule qui sort. Je crois qu'il y a ça quasiment fini. Allez, on remonte. C'est clean. Super, on arrive. Je dirais qu'on se place comme tout à l'heure, mais il y a que Liam et moi qui étions
là tout à l'heure. De quoi ? Ah oui, mais non, mais c'est vrai qu'il faut qu'on passe par le transfo avant. Ah, vas-y. Ce panneau était sur mon chemin. Il a qu'à pas être là. Ouais. Exactement. Alors par contre, je crois que c'est là qu'il faut tourner. C'est là qu'il faut tourner ? Non. Non. C'est là qu'il faut tourner. Oui. Et là, il y a des véhicules partout, évidemment. On met les masques. Et après, je sais plus. Ah si, il faut passer devant la ménage, je vais mettre les masques. J'ai l'impression que le moteur est toujours en route. Et c'est le cas, je crois. Je sais pas qui a fait quelque chose, mais il a joué. Là, ça fait 50 chacun. Ouais. C'est clairement ton truc à toi, Ronnie, qui prend le. qui est le meilleur. C'est le tien le meilleur, clairement. Mais t'es en camouflage ? Oui. Ah, mais t'as vu ça ? Invisible. Mais c'est pour ça, moi j'adore vendre, hein, je vais pas mentir. Je préfère mille fois vendre à faire des supérettes. Et putain de merde, quand tu as une tenue comme ça. Surtout qu'avant, vu que les magasins, ils avaient pas leur super système. Où ils te gardaient de quoi, si tu les payais, tu pouvais te faire garder des tenues, parce que putain de merde. Ah sinon, hein, si on était aussi riche qu'avant, je peux vous dire que ce serait la Fashion Week. Hein. Ah, chaque jour, des chemises différentes, des sweats à capuche, des shorts baggy, des sneakers, des claquettes et autres peignoirs. Et autres peignoirs. Parce qu'en plus, hier, ça, elle a eu mon magnifique peignoir. Oui, je l'ai vu. Ah, il est beau. J'en fais encore des cauchemars. C'est ce que j'allais dire sur oui, je l'ai vu, avec des teintes de malheureusement. Hélas, je l'ai vu. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu mes couilles maintenant. Tu crois ? Beaucoup trop, oui, à mon goût. En tout cas, c'est trop, c'est sûr. Ah, mais vous avez tout pris, nickel. Je le trouve vraiment trop stylé, ce bandana que j'avais trouvé magasin de masques. Oh ouais, il est bien. Ouais, il est classe. Moi, je suis content, j'ai trouvé un truc qui va bien avec ma tenue, mais bon. Bien vu. Après, je cache le visage. Enfin, c'est vrai que malgré ce subtil déguisement, il a failli me reconnaître Nicolas l'autre jour. Hein. Je sais pas s'il m'a déjà vu lui. Et tu peux la fermer ta chemise, parce que les tatouages sur le torse, peut-être qu'il y a des gens qui peuvent te reconnaître avec ça. Hein. Non, je peux pas. La merde, les deux de toute façon, ouais, mais de toute façon, ils me reconnaissent, et alors ? S'ils voient pas vraiment mon visage, ils peuvent pas le prouver. On s'en fout qu'ils sachent qui on est s'ils peuvent pas le prouver. Mmh.
faudrait que je me trouve une tenue assortie à la casquette d'Elisa. Parce que je rêve d'avoir de porter cette casquette. Elle est bien cette casquette, hein. Elle est trop bien, putain. Juste pour le plaisir que quelqu'un te dise Jotaro. Ah. Et tu lui réponds Dio. Ah, ça me suffira. Non, juste que c'est vraiment classe à fond, quoi. En termes de casquette, en tout cas, c'est mieux que les vieilles casquettes à la con, que ce soit à l'envers, à l'endroit ou sur le côté. Par contre, elle se voire même pas. Retournée. Par contre, elle ne se retourne pas. T'as un problème avec les casquettes retournées ? Encore heureux. Je trouve juste que c'est un truc de kéké, sinon j'ai pas de problème. Ok. Enfin, j'assume. Bon, j'enlève ça parce qu'à chaque fois, on me fait le commentaire. Mais quoi, il est très bien, il était très bien ce foulard. Je suis d'accord. Ce hein, fichu. Non, c'était pas un fichu, c'était un foulard. Oh, je sais que c'est pas un fichu, c'est un foulard. Oh non, oh, mais ça rase. Ce que je regrette avec ce oh, suite, c'est que j'ai du mal à mettre la capuche. Vas-y, adieu nos bénéfices. C'est mal fonctionnel. Adieu nos bénéfices. Non, mais ça va pas durer trop longtemps, j'y crois à mort. Ouais. Moi aussi, j'y crois. J'y crois donc. T'en reste beaucoup? Il m'en reste 46. 46? Vas-y, donne-moi dans une vingtaine, comme ça sera peut-être plus vite. Ouais, bah partage. Hein. T'en donnes 10 à chacun, et puis voilà. Et merci. Et voilà. Bientôt fini. Ouais, normalement. C'est bon. Non. C'est pas ici. Oui. Je vais y arriver. On est parti, Liam. Faites foraine. Ouais. Quelqu'un peut me mettre un point dans la plateforme.
Ouais. C'est fait normalement. Trop rapide. L'habitude. Merci. Il pleut, mais il fait quand même vachement joli. Ça va. Ouais, c'est très nuageux, mais c'est pas noir non plus. Une vraie pluie d'automne. Qu'est-ce qui passe plein de balles comme ça? On va pas ralentir en plus, on va pas en, non? Qu'est-ce que c'est long? La maison. Oh là là. Arrêtez. Je veux pas en parler. Enfin, ça l'était. Je veux pas comme en parler. Comme dirait Roussel. Il disait quoi, Roussel? Il disait Grove Street, la maison. Enfin, c'est ce que c'était avant que je parte. Enfin, avant que je foute tout en l'air. C'est un peu pareil. Farm Drive, la maison. Enfin, ça c'était avant que tu partes en couille. C'est nickel. Dégagez de ma route. Allez, pousse-toi. Ah mais c'est pas Liam du tout. J'ai cru. Non. Bah non. Oui bah... De loin. Et quand il roule en moto basse? Bonne question. J'ai pas la réponse. En vrai, s'il pleut, je pense que je vais faire la technique de vélocyclette. Hein. Comment ça? Je récupère et je me balade. Ah. Et je vends. Je sais pas s'il y aura grand monde sur la jetée en fait avec ce temps. Ouais, moi non plus. Si, il y a l'air d'en avoir un peu. Vous mettez la voiture où? Sur le parking. Si j'y arrive. C'est bien par là. Ça va pas être cramé les allers-retours. Si, mais de toute façon, je vois pas trop où la mettre d'autre. Là où je l'ai mis tout à l'heure. Ouais, c'était genre où? Juste à gauche là. On est à gauche. Et juste là. Moi j'ai en position. Droit, tu continues tout droit. À droite, à droite, à droite. Alors là. On est en train de mettre la voiture en avant que vous tout à l'heure. Là? Ouais. Après, est-ce qu'on la mettrait pas dans l'autre sens pour être prêt à partir au cas où? Après, si vous la garez tout au bout, il risque pas de tomber dessus. Ça aurait pas été plus simple en demi-tour. Ouais, parce que manœuvrer. Il... Non, je crois pas. Irsa et Lisa, vous avez rien? Non. Non. Bon, moi je pourrais pas faire diversion au besoin. Elisa? Oui. Quoi? Oh non. Quoi donc? Asya. En 40 secondes, je pourrais récupérer nos quartiers s'il faut. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Rani? Oh bah, on a encore perdu. Rani. Vous êtes sur place. Il doit encore avoir une otite. Ah, bordel. Dites-lui qu'on est sur place, s'il vous plaît. Oui, Yam, on est sur place. Désolé. Non, t'inquiète, c'est que j'ai demandé à quelqu'un de te répondre et personne ne l'a fait. Ah, c'est bon. Il m'est arrivé la même chose que... Putain, je crois que c'est vraiment l'explosion qui m'a niqué. Allez, c'est parti.
T'en prends 20. Ouais. Ok. 20 par 20. On peut commencer à vendre, je suis en position. 20 par 20, ça marche. Je vais fermer le coffre en attendant. Ok, moi je vais aller plus côté plage là-bas. Ça marche. Dites-moi juste que vous avez eu un signalement. Je viens d'en avoir un. Je vais essayer de déclarer la bombe. Refus. Yeah, ouais, je vois la sérigraphie d'ici. Ils vont sur le parc. C'était les bleus. Cachés dans la ruelle qui me... enfin dans la dans le tournant qui mène au parc. Je suis descendu de la jetée, je vais vers le parc du bas. Moi aussi je suis descendu de la jetée, je suis côté plage. Je suis tout au bout de la jetée, prévenez-moi si. Je suis tout au bout aussi. Je vais revenir tranquillement, mais sans vendre. Faites plus vite, les gars, s'il vous plaît. Je crois que les flics sont descendus à pied, faites attention. J'ai peur qu'ils m'aient vu. Ok, confirme-nous si tu peux. Il y en a un qui court vers, vers l'entrée de la fête foraine. Elle est sur le parking. Faites attention, ils sont à pied. Ils avancent vers le bout de la jetée. Attention, ils avancent, ils arrivent. Ils arrivent au bout là, ils arrivent. Cachez-vous ou foutez-vous de le déco. Il y en a un à pied. La voiture elle est partie, il y en a un qui court à pied derrière. Ils marchent comme s'ils se fondaient dans la masse. S'il faut, j'ai tout vendu, je peux faire dur. Intercepter celui qui marche au milieu de la jetée. Ça pourrait être pour quoi que ce soit. Il est au niveau d'une des baraques avec parasol jaune. Vois, bro. Moi aussi je t'ai vu. T'es sur le toit alors. Non mais je disais toi, est-ce que tu le vois? Non, il est où? Je crois que je l'ai vu. Dis, monsieur, je viens de voir une...
voiture se fait rouler là-bas, un truc comme ça. C'est bon, je vais repartir. Par contre, j'aimerais savoir pourquoi je crois que l'agent, elle a essayé de relever la plaque de ma moto. Alors que ma moto est vraiment juste garée sur le parking, genre une moto parmi d'autres voitures et motos, quoi. La voie est libre au bout de la chute. Je suis quasiment jusqu'à la voiture. La voiture de flic, elle est arrêtée au milieu du ponton. Je passe off radio quelques... Bro, c'est toi qui leur parle ou pas? Prends la vente au bout de la chute. Bro, de call vite si tu leur parles. Un refus. Ronnie est en train de parler au flic. Il a rien sur lui, il craint rien. Je suis à la voiture, j'attends que vous reveniez et on bouge. La voiture avance. Elle vient vers vous, elle vient vers le bout du ponton. Bro, ça va. Ronnie, fais-nous un retour. J'aurais dit que je m'étais fait tirer ma caisse et on peut-être m'emmener au commissariat pour faire une dépôt. Tu veux pas juste dire que t'avais vu quelqu'un se faire tirer sa caisse? Ouais, mais moi je suis pas quelqu'un d'autre. Je sais pas qu'une petite tête venait de se faire agresser. Ouais, bah je réfléchis pas autant que toi, bro, désolé. Hein. Essayez de revenir tranquillement vers la voiture. Je suis là, je vous attends. Vous avez tout fini? Non, pas moi. Moi non plus. Mais j'ose pas laisser la voiture ouverte, ce qui veut dire qu'il faut que je sois à proximité pour que vous puissiez repartir. T'es toujours avec eux, gros. Je pense qu'il est toujours avec eux. Si je suis visible d'où je suis, bro, tu peux me faire deux calls. Il parle de moi. De call, c'est oui. Bon, est-ce qu'ils ont parlé du fait que j'étais là ou pas?
Eh ben. Ouais. Ils sont chauds, ils étaient là ultra vite. Edgar, si t'as à peu près fini, dirige-toi vers le van. En gros, DJ se doute que Ronnie essaye de gagner du temps. Si le van est garé comme je l'avais garé tout à l'heure, vous le prenez et vous partez. Pas par la voie principale, par le parking de derrière. Et j'arrive. Reçu, on va faire ça. Parce que Ronnie, il est au milieu de la jetée en train de discuter avec eux. Profitez qu'ils regardent pas pour partir par le grand parking. On attend Edgar et dès qu'il est là, on y va. Ok. Le problème, c'est qu'il faut qu'on attende qu'Edgar revienne du bout de l'HD. Je pense qu'ils vont se barrer en voiture parce qu'ils pensent que j'ai laissé suffisamment de temps pour vous que vous barriez. Et maintenant, il pleut. J'en peux plus. Quelle nuit, il pleut. Il est le temps idéal pour vendre. Ouais. Et il est tard. En plus. Ceux qui sont partis là, gros. Edgar, qu'est-ce que tu me rends? C'est tout bon, je peux monter dans le... Il y a des gens qui ont du golf sur le parking. T'as pu voir si les flics étaient vraiment partis ou si juste ils... Enfin... Je remonte pour voir. Mais non, je suis con. Est-ce que j'éteins mes feux, à votre avis? Hein? J'éteins mes feux? Je sais pas faire. Je sais pas non plus. Je sais pas comment éteindre les feux. Va attendre par la droite. Ouais. Ils ont pas l'air planqués. Éteins tes phares, peut-être. Mais je sais pas comment. Elle sait pas comment. Avec le bouton H dans le tableau de bord. Ah ouais. Je suis vraiment visible, je suis bon. Bah, c'est parce que je suis arrivé derrière toi, mais de mon point de vue, t'étais vachement visible. Après, j'étais juste à côté. Ça passe par où? Ça passe pas, hein. Je veux dire, quand tu parlais avec... si, à gauche, ça passe. Je t'avoue que j'ai pas trop fait gaffe à toi, mais je te voyais pas naturellement, en tout cas. Je pense pas qu'il t'avait vu. Mais pourquoi on passe pas par l'endroit dans lequel on est arrivé? Je ne sais pas. On est tous dans la voiture et on est en train d'en partir. On est sur le parking. Et maintenant? À droite. Mais en fait, faut reculer un peu, faut suivre les flèches. Les flèches? Au sol, il y a des flèches au sol. Oui. Et pour sortir, faut. Je sais pas. Ouais. Mais encore. Fais demi-tour. Mais encore. Recule, recule. D'accord. Fais demi-tour. Non, non, recule. Voilà, demi-tour. Et là, tu vois les flèches au sol. Et là, à droite. Ressortez pas parce que c'est là. Non, ouais, mais c'est comme je... Mais je ressors par mais où, alors va, va tout au fond du parking. Non, mais en fait, là... Ouais, mais là, c'est de la merde. Enfin, mais c'est je moins fais quoi, discret. Du coup mais pas discret du tout, ouais. Certes, mais... C'est con. Voilà. Ah, d'accord. Prends mon compte, sortir par là. Vous pouvez passer hein, par là, hein. C'est vraiment fait pour. Oui, mais c'est vachement cramé. Oui. Totalement. Avec un van. C'est mort. Il a dit quoi? Je sais pas. T'as dit quoi?
aller voir Vanul. Attendez, je veux parler. Oui. On dit où du coup? Vanul. Le parking entouré de buissons? Ouais. Ok. Je crois que... Voilà, on va se caler dans la ruelle comme la dernière fois. Moi, c'est bon, il y a le point. J'ai mis le point normalement. Je crois que je vais vous laisser Pas pour... c'est juste... aller prendre le relais de Paul ou SMS. Ok. Ah oui. Est-ce que tu veux qu'on passe au LSMS avant d'aller à Vanout? Non, non, c'est tranquille, comme ça je vous laisse le van. Et toi, tu repars comment au LSMS? Je tirerai une caisse. Ouais, mais comment on récupère Paul? Ouais, ce serait plus logique de s'arrêter. Ah oui, tu as raison. Ou alors sinon, on se pose sur le parking plus bas et on demande à Paul de descendre. Non, on va faire un saut. Bah non, mais c'est... Bah oui, on va faire un... Je vais prendre la relève de Paul, on va faire un saut à l'SMS pour le récupérer et me laisser là-bas, ok? Ok, je vais faire le plan. Non, en bas. On va pas demander à Paul de descendre les escaliers, on va se garer sur le trottoir juste avant le SMS pour pas qu'il... ou juste après pour pas qu'il râle. Juste après c'est bon. Genre là. On peut pas râler si on est là. Il faut lui envoyer un petit SMS. Oh, je veux... j'y vais simplement, je voulais dire. Bah ouais hein. Nous qui sommes en incognito, on resterait pas dans le chien. J'ai pas les bonnes fringues, ça me. Ouais. Ça me. Je sais. Bon, je survivrai. Ok, bah à plus. À plus. Bonsoir, Dr. Roche. Je vais rejoindre James en salle de réveil. Ok, ouais, ça marche. Je vous y amène. Merci. Bonjour. Oui. Ah, c'est Maggie. Excusez-moi. Ouais, vous en faites pas. Je vous êtes excusé. Merci. Alors, c'était par ici, ouais, c'est ça. Attendez. Il était sur celui-là, je crois. Ouais, c'est non, ça. Non, attendez. Oh non, oh là. Attendez, oh là. Je crois que c'est pas cette salle-ci, en fait. En fait, je suis en train de me demander, ouais. Oui. Vous devez vous dire, oh là là, il est pas professionnel, ce médecin. Non, non, et, je et pense vous surtout avez qu'il totalement y a... raison. Je pense surtout qu'il y a beaucoup de salles dans cet hôpital. Ouais, aussi, oui. C'est un peu le problème. Je pense que du coup, c'est plutôt par là. Oui, je crois que c'est la salle de réveil où il y avait un scanner pas loin. Je crois que c'est la salle de réveil qui avait un scanner pas loin. Vanout, c'est assez vite. Hein. En même temps, il pleut comme pas possible. Oui, voilà. Tout à fait. Oui. Tout à fait. C'est là. Paul est parti? Paul Lewis? Ça va, tu t'es pas trop niqué. Alors j'en ai aucune idée par contre. Non, j'avais le Kevlar. Attends, d'accord. Je vais regarder un peu. Je protège bien le dos, on va dire. Ouais, enfin, le problème du Kevlar, c'est que justement, c'est le dos et le torse, quoi. J'ai pas de Paul Lewis inscrit actuellement. Ça va, les dans, moto de base, elles sont rembourrées à ce niveau-là. Ici. Ok, merci. De rien. Je vous laisse ici. Très bien, merci beaucoup. Regarde vers la supérette Little Seoul s'il n'y a pas genre des gens. Ouais, il y a ça. Vas-y. C'est qui reste avec le chien? Elisa, normalement.
Paul va pas vous rejoindre tout de suite, il est en consultation en fait. Ok, du coup, on y va à 3. Bah, j'imagine, oui. Reçu, reçu. Courage, Elisa. Merci, mais je pense que je vais probablement faire une petite sieste, ou une grosse sieste, sur une chaise à côté de lui. Je comprends. Prends soin de toi. Je vais faire un coucou à l'SPD, voir ce qu'il y a dans la cour et tout. Ça marche. Au cas où je m'endorme sur place, je vous souhaite de bonne chance. T'inquiète maman, on est prudent. Du coup, t'es où? Devant l'SPD. Du coup, on va quand même aller à Vainwood, vu qu'il s'arrêtait de pleuvoir, on va au moins tourner pour voir. Il y a une unité en attente dans la cour avec un officier. Donc une seule voiture et un officier pour l'instant dans la cour, rien dans l'entrée. Bien reçu. Je remonte Vainwood. Je vais mettre mes talons dans ta figure. Je me rends compte d'un truc qui est à prendre en compte dans nos provisions. C'est qu'il faut qu'on ait tous. Enfin, c'est qu'il faut qu'on ait tous. Il faut que tous les autres qui n'ont pas accès au coffre aient 10 000 de côté sur leur compte bancaire personnel. Parce que si jamais toi, moi et Irsa, on est couchés, les autres, ils font quoi? D'ailleurs, est-ce que pour changer, on garait pas le faire grand chose avec 200 dollars? 500$ sur eux. Le véhicule, on l'a garé dans la ruelle. Vous pouvez m'envoyer la position? Ouais, je t'envoie ça. Merci à ça. Bon, finalement, c'est le gars qui te l'envoie. Trop rapide. Merci, tonton. Oubliez pas de déposer l'argent sale. Vous restez dans une même zone, je peux surveiller. Déjà en rue. Bon. Dire ça. Mais pas trop, mais pas plus trop. Vieux l'homme.
Pas réellement, je veux pas dire les autres, je veux dire. C'est allé quoi. C'est pas l'idéal. C'est vraiment pas idéal, mais c'est allé. Où cette chanson déjà? Ça va revenir. Oui. Feel be my star, I'll be your sky. You can hide underneath me and come out at night. The night changes wet and it shows off your light. You shine, isn't it? You shine. You can skylock it away from me. Never come back if you find another galaxy far from here with no room to fly. Give me your star that's to relieve me of you. If you'll be my fault, I'll be your sea. That's a pure blue just to probe your curiosity. Living and flowing, the push by the breeze. I live to make you free. I live to make you free. But you can set sail to the west if you want to. Far from the horizon, till I can't even see you. And far from here, where the beaches are white. Stealing your way to remember you by. Je ferme les yeux un petit moment.